sol. Nossa era. On est parti en avance. Et salut Chris for playing. Et salut la petite perle. Bienvenue dans ce stream bilingue, totalement bilingue. C'est de l'impro. Je sais pas pourquoi je fais ça. Je sais pourquoi je stream globalement. Je sais pas pourquoi je parle en anglais avec un accent. Ça n'a aucun sens. Bienvenue la petite perle. C'est un vrai prompt, un vrai dino dance. Et voilà. Et salut au Philippos. Bien sûr la PCFX. Je dirais pas que tu m'as inspiré, mais c'est pas loin. J'en plein dans mes captures PCFX en ce moment. Et on joue à un jeu, je crois que tu n'as pas. Il y a peu de chances que tu l'aies, ou alors tu l'as payé plus cher que la console, mais genre beaucoup plus cher que la machine. Ce soir, on joue à Chujin Eiki Zeroaiga. Et je trouve hallucinant que ce jeu ne soit pas dans tous les tops des meilleurs jeux PCFX. Puisque c'est le seul shoot'em up avec beaucoup de FMV en plus. Le seul shoot'em up de la PCFX. Et qui est... bah plutôt cool, même si là le mode easy j'ai essayé, c'était trop facile. C'est, notez bien mes mots, c'était trop facile. Voilà. Je serais riche sinon. Ah bah là faut être sacrément riche, ouais. La PCFX, ouais. Et bah du coup, bienvenue la petite pelle, mode easy exactement. Et bienvenue, Christophe Playing, bien d'accord avec toi, il est vraiment à part. Il est à part, il a une vraie patte. Et en fait, je me rends compte que finalement il y avait un côté vraiment cool sur la PCFX, un côté. Chaque jeu avait son identité. Alors, on peut effectivement juger de l'époque, hein, parce que dans l'époque où elle est sortie, évidemment, les jeux vidéo se cherchaient, malheureusement. Hein. On est vraiment dans une époque en 94, je crois. Donc, décembre 94. On est en décembre 94. Donc, le jeu vidéo se cherche beaucoup et on est. On va mettre la Dino Dance parce que là, on est sur une musique qui est super stylée. Le jeu se cherchait avec les FMV notamment, et puis l'arrivée de la 3D qui était très tardive, qui arrivait genre. Là qui était, on va dire, au coin de la rue, comme disent les Américains.
round the corner, au coin, quoi. Et c'est assez intéressant de voir des jeux comme celui-là, parce que bah, moi, j'ai joué qu'aux jeux que j'ai achetés sur cette console, j'en ai gravé qu'un seul. C'était Zenki, pour vous le montrer en live. Et en fait, Zenki, déjà, je me suis dit, putain, il y a un truc, quoi. Il y a quelque chose dans Zenki qui est cool. Et ce jeu de ce soir, donc le shoot 'em up de ce soir, eh ben, y a encore autre chose, y a une vraie dimension dans le jeu, quoi. Même en PC Works, il est cher. Ah merde. Bah sinon, en gravé, hein. En plus, en gravé, t'as la piste en anglais, quoi. Donc forcément, c'est pas pareil, mais t'as les sous-titres anglais, les textes du jeu en anglais. C'est plutôt cool. C'est bien traduit, pour le coup. On va regarder ça un petit peu en plus en profondeur. Mais ouais, du coup, il y a un feeling bizarre sur cette console, un peu comme quand j'ai découvert certaines machines, comme quand j'ai découvert la 3DO, plus ou moins, il y a plusieurs années, hein, plusieurs dizaines d'années, où j'avais découvert la 3DO un peu en retard, mais bon, quand même, elle avait sa petite identité. Là, je commence à ressentir la petite identité de la PCFX. C'est assez intéressant de voir que chaque machine a laissé sa patte et a laissé des petites choses, bah, même la Saturn et la PlayStation, hein. Même si bon, beaucoup d'entre nous l'ont découvert en même temps, elles sont très différentes et très... pas complémentaires, mais très différentes. Vraiment. Et Christophe Lane, toi, tu l'as, la PCFX, ou pas? C'est une bonne question, parce que je vois que tu achètes beaucoup de choses. Il y a un feeling sympa, ouais. Je me régale avec mes calculs. Bah écoute, quand tu auras des jeux... Là, ce soir, j'ai pris Battle Hit pour montrer un petit peu à la gueule des boîtes quelle gueule ça avait. Et en jeu de backup, si vraiment on galère ou si vraiment on s'ennuie trop, même si j'ai un gros doute ce soir, on partira sur Zenki, je pense. Et je vous prépare encore deux lives sur la PCFX, parce qu'il y a encore deux jeux que j'ai envie de vous faire découvrir. Un qui sera 18+, qui est le jeu le plus connu, un jeu assez connu de la console, qui fait qu'elle est cataloguée comme console pour adultes, alors que c'est complètement faux, bien sûr. Une console où il y a deux jeux pour adultes, il y a Dragon Knight 4 et le jeu que j'ai envie de faire plus tard, qui s'appelle Pia quelque chose. Je vous montrerai ça tout à l'heure, parce que c'est des romances. C'est assez intéressant, encore une fois, dès qu'une console a des jeux avec des filles dedans, c'est vraiment, on sent bien l'époque des années 90, hein. Dès qu'il y a des filles dans un jeu, ça devient la console avec des jeux de cul. La Playdia avait déjà eu ça sur le livre spécial des consoles insolites. On pouvait lire des bêtises de ce genre. Mais... Et il y aura un jeu 18+, ouais, bientôt, via le jeu de Dating Sim sur la PCFX. Je le ferai, puisqu'il a été traduit en anglais, ce qui est intéressant à faire. Dragon Knight 4, par contre, lui, qui est un jeu FMV pour adultes, ce serait vachement intéressant, mais il n'a pas été traduit en anglais. C'est dommage. J'ai failli l'acheter il y a des années, mais j'y repense. Ah. Bah, il n'y a pas beaucoup de jeux, hein, malheureusement. On fait vite le tour de la ludothèque. Il y a une trentaine de jeux. Je sais plus exactement. Attendez. Peut-être que je dis des grosses bêtises, hein. Souvent c'est le cas. Hein. Ah. 62 jeux en tout. Ouais, 62 jeux, putain, il y a deux fois plus que ce que je croyais. Et oui, alors par contre, dans les jeux, ils comptent les animés freaks et les trucs un peu chelous, les trucs qui sont pas vraiment des jeux. Mais bon, ça compte comme des. Allez, on va compter ça comme des jeux, on va dire que c'est des choses qui ont été éditées officiellement. Les animés freaks, je vous l'avais montré quand j'avais reçu ma console, souvenez-vous. C'est des CD qui étaient offerts dans les magazines à l'époque. Et qui apportait bah, plus de détails, en fait. Elle est belle, je l'aime. Putain, qu'est-ce qu'elle était belle, cette photo. Incroyable. Putain, Dams qui ressort les vieux dossiers de il y a un an, quasiment, quand j'ai acheté ma PCFX. On va mettre des animés grâce à la PCFX, ou presque. On va essayer de jouer au titre de la machine avec Haruno Taku. Incroyable. Merci beaucoup pour ton tweet, et bienvenue à toi si tu es là, Dams. Je crois que tu es là. Ouais, salut. Salut Desmeon, comment vas-tu? J'espère que vous allez tous très bien. Plus soixantaine, ouais, inclus. Ouais, ouais, du coup, c'est un peu compliqué, du coup, de se dire les trucs offerts dans les magazines. Dans ce cas-là, les démos PlayStation, est-ce que c'était des jeux? C'est pas tout à fait la même chose, parce que dans Animefrix, il y avait du contenu exclusif à la PCFX, notamment des reportages sur des idols, pas des idols, des... comment on appelle les doubleuses au Japon? Elles ont un statut spécial au Japon, elles sont vraiment adulées. Et elles ont un nom particulier, je sais plus ce que c'est le nom particulier. Faudra attendre des gens comme Ilia ou des gens un peu plus calés Japon. Mais Seiyuu, exactement. Exactement, la petite pelle. Et il y avait tout un reportage sur les Seiyuu, et notamment il y avait aussi la version karaoké qui m'a coûté tout simplement la VOD de Anime Freaks volume 2, je crois. Il y avait une version karaoké du générique de Evangelion. Qui était super stylé. Je m'en souviens que j'avais même chanté. Je faisais exprès de faire du bruit dans mon ancien appartement et j'avais hurlé le générique, j'en avais rien à foutre.
Seiyu, Seiyu. Le Taku est en avance. Ouais, le Taku a signalé qu'il était en avance parce que il en avait marre d'attendre. Pour le coup, j'avais vraiment rien d'autre à faire que lancer mon stream là. Et voilà. Bienvenue à toi, Babouluf. Bienvenue à tout le monde. Et attention, petit changement de musique. Un peu trop faible. J'ai changé de radio. Vous allez peut-être reconnaître le style pendant le stream. Le style gargouillis dans la nature, évidemment. Ça tombe toujours bien hein, quand on fait écouter aux gens. Mais les jeux sont sortis en très petit nombre. La cote grimpe. Et d'accord. Et quelle heure chez toi, Haro? Chez moi, il est 20h27. J'avais dit 20h30. Ouais. C'est un peu tôt encore. Oui, il est quelle heure chez moi? Say you, say me. C'est drôle, ça. Très, très drôle. J'avais pas la blague, Adam, tu vois. J'avais dit 21. J'avais dit 21h, mais j'ai refait un tweet depuis avec marqué 20h30. 21h! Petite musique japonaise. C'est de la Night. Pas de la Night Dance. Ça se grave les jeux PFX, ça se grave et ça n'a aucune protection. La preuve, Zenki est ici. C'est mon exemplaire de Zenki, parce que c'est un jeu qui coûte beaucoup trop cher. Vous allez voir pour l'instant, l'instant bailli bien sûr, combien coûte le jeu de ce soir, le seul shooter de la PSFX. Vous imaginez bien qu'il doit être cher et qu'il n'y en a pas beaucoup malheureusement. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Ma Picno est arrivée chez FedEx. FedEx a été incapable de me la livrer vendredi. Je suis très colère hein, depuis le début du week-end, du coup j'ai fait des milliards de trucs ce week-end pour m'occuper l'esprit et pas penser à la Picno qui est au dépôt FedEx de Latte, à côté de Montpellier. Ça me saoule, vraiment, ça m'a saoulé. Ils ont dit 11h33, on a essayé de livrer, on a sonné, il n'y a personne qui est venu, l'entreprise était fermée. Excusez-moi, j'étais dans l'entreprise, il y avait du monde devant qui était en post-clope, je suis désolé, vous n'êtes pas passé, vous n'avez pas sonné, arrêtez quoi. FedEx qui me fait une la poste, c'est la première fois que ça m'arrive. Première fois depuis le début. Salut Delia, comment tu vas? Et les jeux PCFX se gravent sans aucune protection. C'est plutôt cool, les jeux PCFX, pour info, ça ressemble à ça. Voilà, des grosses boîtes, très très cool à collectionner. Sur des étagères, c'est très très beau. D'ailleurs, vous pouvez voir le tweet de Dams, je vais vous l'envoyer, comme ça vous pourrez voir à quel point sur une étagère, ça peut être beau, même à côté de la console, ça peut être beau. Pour le coup, c'est le tweet qu'il a fait pour le stream de ce soir. Et je l'en remercie une nouvelle fois. Et on peut voir la console avec les jeux dessus. Regarder. Ça va, tu fais du PCFX, génial. Ouais, du PCFX, avec la belle manette de la PCFX. Je la trouve incroyable. Et on est sur vrai hardware, bien sûr. Je vous la remontre. Hop. Voilà la PCFX, avec sa manette. Hop. J'adore la tête qu'a la manette. Je crois que j'ai pas la mise au point sur cette cam. J'ai pas la mise au point sur cette caméra. Désolé. On va la montrer là. Elle est très très blanche, ma PCFX, elle est pas jolie. Elle est en très bon état. Encore une fois, c'était la moins chère hein, de... c'était la moins chère de Mercari, et c'était celle qui était la moins jaunie. C'est assez impressionnant. La manette est vraiment cool. La manette, c'est un peu la meilleure manette qu'on peut trouver sur PC Engine, en vérité. C'est un peu comme les Pad Avenue, là. C'est les Pad Avenue, je crois. Les manettes un peu stylées. Une belle bait. Elle est pas très lourde. Elle a l'air très lourde comme ça, mais elle a plein de ports d'extension en vérité. Le lecteur est au-dessus, c'est assez bizarre d'ailleurs ça. J'ai ressorti un vieux message, ouais. Je suis sur Twitter sans être connecté, je suis tombé directement dessus. Ah d'accord, c'est assez dingue ça. Bon, on va commencer tout de suite, ça va peut-être être le mauvais Chrome. Ah, c'est le mauvais Chrome. Voilà, bon, ça, comme ça vous voyez le tweet de Dams. À la base, je voulais pas que ce soit ce Chrome-là qui soit utilisé. Comme d'hab. Aller sur Wikipédia. Le hasard fait très bien les choses en effet. Et c'est très belle machine. Voici notamment le port d'extension carte mémoire aussi, dans lequel on peut glisser une carte mémoire. C'est une console qui, comme la Saturn,
comme le CDI, comme la 3DO, comme toutes les consoles sauf la PlayStation quasiment d'ailleurs, a une mémoire intégrée. Ça c'est plutôt cool d'ailleurs. Hop, on revient sur Chrome. La PCFX, PCFX, est une console de jeux vidéo 32 bits. Alors encore une fois, c'est une époque ultra intéressante, 94-98. On est dans les années un peu débat des meilleures années du jeu vidéo. Beaucoup de gens disent 96 ou 98. 94, 98, c'est vraiment des années qui sont assez folles. Console de jeux vidéo 32 bits développée par NEC, c'est celle qui est arrivée après la PC Engine, ça on va sûrement le voir au fur et à mesure de Wikipédia. Elle est commercialisée à partir du 23 décembre 1994, exactement pour Noël d'ailleurs, quelques semaines après la PlayStation de Sony et un mois après la Saturn. Intéressant. Pensée pour succéder à la PC Engine et à la Super Graphics, les jeux sont au format CD-ROM. C'est à peu près à combien d'exemplaires elle s'est vendue? 400 000, manifestement. C'est écrit ici. Bon, après, c'est des chiffres doigts mouillés. Hein. Je sais pas trop comment ils ont eu leurs chiffres, mais bon. Contrairement à ses prédécesseurs, la PCFX n'est sortie qu'au Japon. La console a la forme d'une tour verticale comme les boîtiers au format Tower de certains PC. C'est pas un PC, je pense que vraiment ça aussi, ça a dû jouer dans ses problèmes de vente. Que quand tu vois ça dans un magasin, tu te dis, c'est un PC. Enfin, c'est pas une console, tu vois. En fait, c'était une console. Ou alors, peut-être que les gens se sont dit, c'est un PC qui intègre la PCFX, et peut-être qu'il faut attendre la vraie version console de la machine, quoi. On dirait vraiment un PC, quoi. 400 000, c'est vraiment peu hein, pour une machine, pour une console de jeux vidéo. Et devait être aussi évolutif que ces derniers. D'ailleurs, elle est évolutive puisqu'il y a actuellement, je crois, en développement, via le port SSI à l'arrière, un lecteur, un ODE, si je me trompe pas. Faudrait que je me renseigne un peu plus là-dessus, je sais pas où ça en est exactement. Cependant, la PCFX ne possédait pas de puce graphique capable de gérer la 3D, car à la place, NEC s'est concentré sur la FMV et les capacités des jeux en 2D. D'ailleurs, la PCFX, comme la 3DO, fait de meilleures vidéos que la PlayStation et que la Saturn. Elle fait des vidéos qualité MPEG, comme vous le voyez en bas. C'est des vidéos, dès la sortie de la machine, c'était des putains de vidéos de très bonne qualité. Et les capacités du jeu 2D, bien sûr. Finalement, ce choix a rendu la FX moins puissante que ses concurrents. Elle était également chère et manquait de soutien de la part des développeurs et des éditeurs de jeux vidéo. Tout ceci combiné a fait qu'elle n'a pas réussi à rivaliser avec les autres consoles de 5e génération. La PCFX est la dernière console de jeux vidéo de NEC et la production a été arrêtée en février 98. Alors quoi, que seulement 400 000 exemplaires ont été vendus en 4 ans. Apparemment, il y a une source. Game Data Library Total Hardware Result. Je connaissais pas ça. Sur archive.org apparemment. Ah, je crois qu'il y a un petit problème avec archive.org ce soir, dommage. Mais en tout cas, ouais, c'est sourcé. Donc il y a eu 400 000 et apparemment c'est un chiffre plutôt sérieux. Historique alors. Un historique extrêmement intéressant, un peu long, mais on va quand même le lire parce que c'est intéressant de la remettre en situation. La PCFX est basée sur une architecture système 32 bits nommée Tetsujin ou Iron Man, développée en interne par NEC. C'est en mai 91. Alors, console développée en 91 et sortie en 94, ça fait. Enfin, en tout cas annoncée en 91. Forcément, elle a du hardware peut-être un petit peu passé, surtout s'il n'y a pas eu de révision entre 91 et 94. Je sais qu'aussi, il y a eu plein de bullshit dans les salons. J'ai le rappel d'une anecdote où ils montraient des jeux dans les salons qui étaient en FMV en disant que c'était en temps réel. Alors que c'est pas le cas forcément. C'est en mai 91 qu'il y a eu la présentation du premier prototype basé sur un microprocesseur central HUC 320, je sais pas comment ça se dit, HUC 62320, on va dire, RISC 32 bits 10 MIPS, secondé par 5 processeurs. Coprocesseurs, c'est l'époque des consoles avec plein de coprocesseurs, souvenez-vous, la Saturn notamment avec plein de coprocesseurs. Il n'y a que la PlayStation hein, vraiment qui avait une architecture très très simple. Même la 3DO avait Tom et Jerry. La Jaguar avait Tom et Jerry. Et la 3DO avait au moins deux coprocesseurs, en plus d'un bus extrêmement, extrêmement rapide et d'un processeur principal qui n'était pas ouf comme la Jaguar d'ailleurs. C'est marrant comme les consoles étaient un peu architecturées pareil, mais avec beaucoup de coprocesseurs, il n'y a que la PlayStation qui est venue simplifier un peu tout ça quoi. C'est assez intéressant. Et alors là, je vous parle pas de la Mega Drive 32X CD. On testera bientôt d'ailleurs pour Fahrenheit, le jeu que j'ai reçu. C'est pareil, il y avait beaucoup trop de processeurs dans cette machine.
Secondaire personnel en 92. En 92, NEC présente Tetsujin Iron Man lors d'un certain nombre de salons professionnels et d'événements en 1992 et au milieu de l'année a commencé à discuter avec de nombreux développeurs tiers sur une sortie imminente d'une console de jeux vidéo basée sur cette architecture. À l'époque, la PC Engine était encore très populaire au Japon et les avis sur la technologie Iron Man sont partagés. En effet, beaucoup de développeurs ne sont pas intéressés par le passage à un matériel plus puissant alors que le marché de la PC Engine continuait à croître. Aidé par des ajouts de supports CD et de consoles plus puissantes qu'on avait vu avec Ophilippos il y a quelques semaines, quelques mois déjà, avec un spécial PC Engine où on avait Frankensteinisé des PC Engine. NEC a donc arrêté le travail sur le projet Tetsujin Iron Man, préférant opter à de nouvelles modifications de la technologie sur laquelle est basée la PC Engine. Lorsque NEC finit par décider de sortir la PC fixe, les spécifications de la console sont très proches de celles de l'architecture d'Iron Man. La principale différence étant l'abandon du processeur, HUC 62320. D'ailleurs, très bon choix d'Elenia. J'ai vu que tu as joué à Dr. Slump, en parlant de Professeur Slump. En parlant de Professeur, excellent jeu, très léger. Alors, quand tu l'as gravé, tu as dû voir qu'il pesait que dalle. Le jeu, il pèse rien, et il est incroyable. Si vous avez un jeu à tester sur PlayStation 1, sachant qu'il est en plus fan-trad, au moins en anglais, Professeur Slump, PlayStation 1, excellent jeu. On revient à la description Wikipédia au profit du NEC V810. Donc ça, ils ont changé de processeur. Un nouveau processeur RISC 32 bits V810. En fait, ils ont quand même fait des révisions entre 91 et 94, ce qui est quand même le minimum qu'on attendait. Pourtant, la machine, à la fin, n'est pas extrêmement puissante. Hein. Chose inhabituelle pour une console de 5e génération, la PCFX ne possède pas de processeur graphique dédié à la gestion de la 3D. Le raisonnement de NEC est que les processeurs graphiques qui existent alors sont relativement peu puissants. Ce qui se traduit par des graphismes ayant une apparence très cubique, puis des textures éclatées au sol aussi. Pour contourner ce problème, les créateurs de la PCFX préfèrent utiliser des graphismes en 3D pré-calculés pour les jeux. La conséquence directe de ce choix est que les points forts de la PCFX est la possibilité de décompresser 30 images par seconde au format JPEG. Alors c'est le fameux truc dont on vous parlait à un moment chez MO5 en vous disant pourquoi la 3DO, pourquoi la Playdia et pourquoi toutes ces consoles sortie avant, voire en même temps que la PlayStation et la Saturn ont une meilleure décompression, c'est qu'elles ont leur propre codec vidéo, qui est très proche du MPEG, et ça s'appelle souvent le JPEG ou le MJPEG, le Motion JPEG. C'était des formats propriétaires qui permettaient de décompresser de la vidéo à une bonne qualité. La PlayStation a son Motion JPEG, mais il n'est pas excellent par rapport à la 3DO et à la PCFX par exemple. Qui permet notamment d'atteindre les 30 images par seconde, ce que ne permet pas la PlayStation. On est sur des vidéos à 12, 15, voire 20 images par seconde sur la fin de vie de la console. C'était très très compliqué. Et la Saturn, j'en parle même pas, elle utilise son CPU pour décoder des vidéos. Elle n'a pas de puce dédiée du tout, et elle n'a pas de codec dédié du tout. Elle avait 4 ou 5 codecs différents. Quand on lançait les jeux, on voyait d'ailleurs le cinépack et le nom de chaque codec qui était au début des jeux. Un peu triste quand on était fan de la Saturn et qu'on avait des vidéos dégueulasses au début du jeu. Voilà. Il y avait une carte MPEG qui n'a pas été utilisée du coup, mais qui a été utilisée qu'au Japon sur deux jeux, ou trois jeux, je crois. Tout en jouant des pistes audio enregistrées dans un format numérique. Donc ça faisait une vidéo comme on la voit en bas là, c'est-à-dire une bonne vidéo d'animé. Malheureusement, il y a eu beaucoup d'animé, très peu de vidéos en 30 images par seconde, où ça se voyait vraiment que c'était en 30 images par seconde. Malgré tout, c'est quand même super stylé, vous allez voir la vidéo quand on jouera au jeu en plein écran. Tout en jouant des pistes audio. Voilà. Grosso modo, cette console utilise une forme de motion JPEG, voilà. La PCFX ainsi offre ainsi un full motion vidéo d'une qualité supérieure à celle des autres consoles de 5e génération. Pour bien mettre en avant les points forts de la future console, NEC a demandé à Hudson Soft, qui est leur partenaire privilégié depuis le lancement de la PC Engine, de ne développer que des jeux basés sur des animés populaires et utilisant des séquences animées déjà existantes. Le principal problème de cette politique est qu'elle a empêché Hudson Soft de transposer sur PCFX des séries de jeux vidéo très populaires sur PC Engine comme Bomberman et PC Kid. Un exemple très con, c'est Battle Heat. C'est un jeu qui est incroyable au niveau animé. On sent que c'est un animé qui existe déjà, qui était déjà fait en fait, et qui a été transposé sur la machine juste pour montrer les capacités du truc. C'est un peu dommage de ne pas avoir eu des jeux originaux ou au moins même des transposages, comme ils disent, des jeux PC Engine. Contrairement à la plupart des autres consoles en dehors de la 3DO et du CDI, un PCFX était également disponible sous la forme d'une carte graphique interne compatible avec les ordinateurs NEC PC98. Et AT IBM PC. Alors AT, c'est les anciennes formes d'alimentation principalement et de boîtier.
qui permettait d'avoir des PC chez nous, qui étaient compatibles avec cette carte. Je crois que c'est une carte ISA, je me trompe pas. C'est une carte qui a exactement tous les composants d'un PC FX dessus. À l'arrière, d'ailleurs, vous avez la prise directement vidéo et les prises manettes pour brancher directement la manette sur la carte PC de ce truc-là. Tout ce que va utiliser la carte, c'est le moniteur. Vous pouvez toujours afficher le jeu dans une fenêtre sur Windows et vous pouvez aussi avoir une sortie vidéo directement pour sortir la console en composite et S-Video depuis votre PC. C'est rigolo comme approche. Il y a pas mal d'autres consoles qui avaient voulu faire ça. Je crois bien que la Saturn voulait faire ça et au final, ils n'ont pas sorti exactement ça. Sega avait sorti une carte 3D ou une carte accélératrice 3D sur PC, il me semble, qui permettait de faire des jeux en quad comme sur Saturn et de sortir des jeux, de transposer les jeux Saturn plus facilement puisque l'architecture 3D de la Saturn permettait de faire uniquement des quads et pas des triangles quand on faisait de la 3D. Du coup, ça rendait les portages compliqués. Saturn vers PC ou Saturn vers n'importe quelle autre console, et ça rendait aussi des portages compliqués PlayStation vers Saturn ou PC vers Saturn. C'est vraiment l'enfer d'avoir ce modèle de quad versus ce modèle de triangle qu'avaient toutes les autres machines, et cette carte permettait de résoudre le problème entre guillemets en mettant une carte compatible quad directement dans le PC, et il y avait quelques jeux qui tournaient dessus, notamment une version de Panzer Dragoon en quad qui marche beaucoup mieux que le Panzer Dragoon qui était sorti sur PC. La version Sega PC un peu mal porté. Beaucoup de trucs liés à la Saturn avec la PCFX à croire que les consoles qui ont échoué dans la 5ème génération, elles ont toutes plein de points en commun en vrai. Cependant, les problèmes de compatibilité font que les jeux développés avec ces logiciels ne peuvent pas être utilisés avec la console. D'accord, donc c'est la carte qui était interne au PC permettait de développer des jeux pour la PCFX. Cependant, il y avait des problèmes de compatibilité qui faisaient que les jeux développés sur cette carte ne marchaient pas forcément avec la console. C'est terrible tout ça. Ouais. Après, c'est quand on s'intéresse à une console qui a échoué, il y a toujours un petit côté triste. Même si sur certaines consoles, on s'en fout. Moi, la 3DO, par exemple, ça me fait vraiment du mal qu'elle ait pas réussi. Hein. Et j'arrive pas à considérer le CDI comme un échec. Donc ça me va. C'est pour moi, le CDI n'est pas un échec puisqu'il a quand même fonctionné très longtemps et qu'il a servi à des pros, Ils ont été assez intelligents pour pas se focusser sur le marché du jeu vidéo et rester sur le marché du jeu vidéo parce que clairement, c'est pas une bonne idée. Et ils ont quand même réussi sur le marché des platines, sur le marché d'autres choses un peu plus pro. La 3DO, c'est triste. T'en as toujours pas une, Babouf, d'ailleurs ? Tu devais pas en acheter une ? Tu voulais pas en acheter une à une époque ? T'en as peut-être déjà eu ? Tu la stream pas ? La sortie de cette nouvelle console est annoncée officiellement à la fin de l'année 93, et là ça devient intéressant. Cette nouvelle est accueillie de manière assez tiède par la presse spécialisée, qui a déjà les yeux tournés évidemment sur les PlayStation et Saturn. Non, pas dans l'immédiat, peut-être un jour. Bah écoute, si j'en trouve une pas chère sur Bailly, je t'enverrai le lien si tu veux. Cette nouvelle est de manière assez tiède. Ainsi, dans son numéro spécial Game Machine Cross Review de mai 95, le magazine Famicom Tsuchin donne à la PCFX la note de 18 sur 40. Après un lancement retardé, la PCFX est finalement commercialisée à partir du 23 décembre 1994, soit quelques semaines après la PlayStation de Sony et un mois après la Saturn. Mauvais timing, ceux ayant déjà acheté la PlayStation ou la Saturn n'ayant pas la force, forcément le temps et l'argent nécessaire pour l'acheter une autre console aussi vite, couplé aux limitations techniques de la console et la 32X qui sortait aussi quasiment en même temps, hein, pas l'oublier. technique de la console et au côté très restreint du public ciblé, parce qu'il y a très peu de gens qui étaient ciblés par le launch, le line-up. Donc le démarrage est très mauvais et que les quelques dizaines de milliers de consoles disponibles ont beaucoup de mal à trouver preneur. C'est terrible ça aussi. Hein. Un lancement d'une console où vous avez des milliers de consoles sur les étalages, ça c'est vraiment terrible. Finalement, la production de la PCFX a été arrêtée en début d'année 98, cette dernière ne s'était vendue qu'à 400 000 exemplaires. Comme on avait dit tout à l'heure. D'ailleurs, je tiens à remercier, à chaque fois j'oublie, hein, mais je le refais à chaque fois, mais là. Merci beaucoup à KinArt, qui a follow la chaîne il y a 10 heures, et à Glaer, qui avait follow la chaîne il y a un certain temps, il y a 3 jours déjà. Voilà, merci à vous deux pour le follow. Super cool, les 3DO au cœur, bien sûr. La 3DO, c'est la vie. Vous avez fait des activités dans mes notifs.
rien de nouveau. Ici, on la voit sous toutes les coutures, une PC fixe de très très bonne facture, en très bon état pour le coup. On peut voir voilà, le V810 à 21 MHz, c'est vraiment pas beaucoup, 2 mégas de RAM, c'est ouah, très très peu. RAM partagé utilisé pour les tâches d'arrière-plan, okay, tac, tac, tac. 320 par 240 la résolution. Un seul type de résolution, pas de haute résolution, des connectiques composites et S-Video à l'arrière, et c'est tout, pas de RGB. Que dire de plus? Ah si, il y a quand même un mode haute résolution, il y a du 480i. Je connais aucun jeu qui se met en mode 480i d'ailleurs. Jusqu'à 6 calques de fond. Sort après la PS1 et la Saturn qui ont occupé les périodes de Noël en pariant sur le tout FMV et oubliant la 3D. Le japonais n'avait plus de sous et était très hypé par la 3D. Il manquait le coche. Ah oui, grave, hein. C'est vraiment triste ça. Donc le FX Pad, c'est la manette. Le FX BMP, c'est la carte de sauvegarde, la carte mémoire. Et alors le port d'expansion SCSI à l'arrière. Il y avait ça, et la carte, alors, la console est sortie, comment ça s'appelait du coup? Il la nomme à un moment? Je vois pas le nom du coup de la carte, je crois que Madeville l'a acheté la carte en plus, pour la mettre dans sa PC98. Le manque de jeux il fait beaucoup. Bah ils ont quand même eu le temps de faire 60 de jeux, moi je pensais pas. Il y a All Japan Pro Wrestling, alors ça peut être considéré comme un jeu un peu olé olé dans le sens où il y a des filles qui se battent sur un ring, je sais pas quoi répondre aux gens qui pensent ça, mais bref. Le vrai jeu de vrai jeu de cul, on peut vraiment parler de jeu érotique, de chez érotique, c'est Dragon Knight 4. Je sais pas si on peut voir des images, je sais pas si je suis en 18+. Je crois pas que je sois en 18+, malheureusement. Sélectionnez un descripteur de contenu. Drogue, alcool, Paris, jeu mature, diffusion de jeux classés M. Ah, je peux pas changer en temps réel, ça. Grossièreté ou vulgarité importante, thème sexuel. Allez, on va mettre ça. Voilà. Normalement, j'ai mis à jour. Hein. Carte d'extension, je crois que c'est FXGA ou similaire. Ouais, ça doit être ça, c'est FXGA. Est-ce qu'on peut la trouver? PCFX GA, ouais. C'est ça, voilà. La PCFX GA. Si vous connaissez pas LGR, bien sûr, Lazy Game Review, probablement un des meilleurs rétro-testeurs américains. Ça, c'est la version qui marche avec nos PC à nous, d'ailleurs. Elle marche avec DOS. It requires a separate display to view anything. As with the standalone PCFX, the GA card is intended for use with analog NTSC TV sets, with no digital RGB option. So I'm going to use this little. Ah, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on n'avait pas possibilité de voir la console sur le moniteur. Alors. Je suis trompé. Après, il joue à la PCFX qui est branchée sur ce PC. Putain, vraiment rétro le PC pour le coup. 94, on avait des PC un peu mieux que ça. Hein, je me souviens que mon PC était un peu plus moderne que ce truc. I think that's pretty much all it's doing with the PC side of things. Now it's just running stuff straight off of the PCFX card, which of course means lots of FMV. C'est stylé de voir ça quand même. C'est marrant, je trouve, de distribuer ta console en mode carte pour un PC si t'as pas de place en fait. Ça fait vraiment problématique de place, surtout pour le peu d'argent que t'économises. Je suis pas sûr que t'économises tant d'argent que ça, en fait, entre la carte et la console. Ça, je crois que c'est Battle.it, non? Ah non, ça, c'est Zenki, justement. Donc voilà, à quoi ressemble la caméra. Est-ce qu'on peut voir la carte, pardon? On va voir la carte. Je vais la montrer. Il montre pas le montage de la carte. Ah si. Le money shot, on est là pour ça.
Translation app for this Il y a beaucoup one. De Mahjong Olé Olé et de jeux de drague dans le lot. Ah ouais? Il y a beaucoup de jeux de drague, je crois qu'il y en avait qu'un. Setup software, a pair of PCFX GA game and software releases on CD-ROM, and a six-button PCFX game controller, complete with A and B turbo switches. And finally, there's the PCFX GA DOS-V card itself. C'est énorme. A full-length 16-bit ISA card that's possible. C'est une ISA, c'est une carte ISA. Du coup, ça se branche sur les vieilles cartes mères, je pense. And one of the first things you'll notice is this little set of switches for choosing the I.O. base address, with the default being OX300. No plug-and-play silliness here. Suck it up and do it yourself to avoid device conflicts. Mm-hmm. And at the core of the card is an NEC V. Et les cartes ISA, il fallait régler des jumpers dessus pour dire au PC, elle est sur cette position-là, sur ce port-là, et il faut la gérer dans cet ordre de priorité. As well as the Nintendo Virtual Boy, amusingly enough. Il est génial ce mec. J'aime beaucoup ses reviews. Pour le coup, il est super fort. Hop. N'hésitez pas à aller voir sa vidéo, bien sûr. Hop. Je vous mets le lien. Donc, on avait la liste des jeux et on cherchait. C'était ça qu'on cherchait à la base, Dragon Knight 4. Dragon Knight 4, je sais pas. Maintenant que j'ai changé le stream, ça devrait aller. Sur SNES, c'est pas la peine de le regarder. Il est complètement censuré à fond. Sur PlayStation aussi. C'est les consoles sur lesquelles il fallait licencier les jeux sur lesquels on sortait. Et là... Quelle console, ça? J'ai l'impression que c'est l'animé, juste. Wheel of Time OAV, voilà. Donc je peux vous montrer un petit morceau d'OAV. Je sais pas si j'ai le droit, en fait. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? J'ai mis sexualité, on est d'accord? Thème sexuel. Voilà. Et thème sexuel, c'est pas que oral? Représentation violente et choquante, thème sexuel. Thème axé sur des attributs physiques ou activités sexualisées, sur des sujets ou expériences à caractère sexuel. Des sujets ou expériences? Putain, je sais pas si j'ai le droit. Bon, essayez de pas me balancer. On va essayer de voir un truc un peu soft. On peut voir qu'en tout cas, les dessins sont plutôt stylés, en vrai. D'ailleurs, c'était pas du tout le jeu que je voulais vous montrer. Voilà, on peut voir aussi qu'il y a du sang, tiens. Du sang et du cul. C'est ce que veulent les gens. Eh ben, faut bien chercher, hein. Moi, on m'avait parlé d'un truc très... Et en fait, ça va. Bon bref, c'est un truc de cul, je vous promets. Par contre, dans les jeux, il n'y a pas... Dragon Knight par 30 ending plus crédit. Sur quoi, ça? Ah, ça ressemble déjà plus... C'est pas le jeu sur Super NES. Non, c'est trop beau pour la Super NES. En plus, c'est en 16/9, c'est triste. Ah, oh, mais c'est super ça. Il y a de la PlayStation plutôt. Pas trop. Bref, le jeu que moi je voulais vous faire, donc ce soir on fait le shooter. Oh putain, je me trompe de. C'était Pia quelque chose. Il n'y a plus de musique. Il n'y est pas dans la liste. Ou alors il a un autre nom. Ah, Welcome to Pia Carotte. Voilà. Ah, c'est Cocktail Soft qui a fait ce jeu. Et c'est un jeu de dating sim pour le coup. Et apparemment ça part un peu en vrille dans le jeu.
Voilà. Donc c'est tout ce qu'on pouvait dire sur le Wikipédia. Par contre, alors après, il y a un truc assez intéressant. Player One avait fait un article complet sur la PCFX qui s'appelait « Trop bridé pour nous ». C'est vrai que de par son identité très japonaise, très pleine d'anime, pleine de FMV, je pense que de loin, on pouvait se dire « Cette console n'est pas pour nous, elle sortira sans doute jamais en France ». Elle n'est jamais sortie en France, mais c'est marrant de me voir trop bridé, j'ai bien envie de lire l'article, pour voir s'il y a des dérapages dedans, je le sens. Salut Nick, comment tu vas? Bienvenue à toi. Il y a un peu plus d'un mois, NEC sortait enfin sa 32 bits au Japon. Salut Samni, comment tu vas? NEC sortait enfin sa 32 bits au Japon après un séjour à la rédac. La FX nous laisse une impression pour le moins mitigée. Nous sommes nombreux ici à la rédac à nous souvenir du temps heureux de la PC Engine Core Graphics. Tout le monde la compare. Hein. C'est-à-dire que, déjà, elle sort après la Saturn et la PlayStation. Terrible. Elle sort après la PC Engine, alors que c'est la successrice. Elle est censée au moins jouer les jeux PC Engine. Enfin, ça aurait été vraiment une bonne idée. Encore une autre histoire, mais ça aurait été vraiment une bonne idée, pour le coup. Et tout le monde la compare à une console qui a quand même vraiment bien marché juste avant, quoi. C'est encore une vraie erreur, quoi. Avec ses petites cartes mignonnes, cette fausse 8 bits rivalisait avec les 16 bits PC Engine. Là. On pouvait même y connecter le premier CD-ROM sur console. A l'époque, les consoles NEC vivotaient en France. La disponibilité était assez chaotique, c'est vrai. NEC s'étant refusé à distribuer officiellement sa machine, une société du nom de Sodipeng avait pris le relais. Mais en tout cas, on pouvait se procurer des jeux. Et puis, les choses ont mal tourné, et trouver des produits NEC en France est devenu très difficile. Dommage, sur Core Graphics, on trouvait des shoot'em up fabuleux, des simulations de sport grandioses, des... Tu as raison, Roby, je me tais. On se fait du mal. Mais si la PC Engine ne marchait pas du tout dans les pays occidentaux, l'ancien américain a été un désastre, elle se portait très bien au Japon. Là-bas, la petite surdouée a insolemment trusté la deuxième place derrière Nintendo et devant Sega. La PC Engine y est devenue un tel classique que NEC lance régulièrement des versions relookées de sa machine vedette, la petite surdouée. Exactement. Ça va, la PCFX, bon sujet pas courant. Je vais revenir sur des sujets pas courants parce que je veux aussi ressortir la Loopy prochainement d'ailleurs. On va refaire des jeux en japonais en essayant de répondre à... Alors, le vrai problème, c'est que le jeu que j'ai envie de faire sur Loopy, c'est le jeu avec le chien et la petite fille. Le problème, c'est que le jeu avec le chien et la petite fille, il a des questionnaires et des quiz, alors on va répondre au pif jusqu'à ce qu'on gagne. Mais en fait, le temps que la traduction se fasse, bah je perds. Donc c'est un peu complexe, il faut que je réponde au hasard. Quoi. Et au bout d'un moment, bah, je passerai cette séquence-là et on verra la suite du jeu. C'est un jeu à déroulement très narratif et à base de beaucoup de textes, malheureusement, pour un jeu japonais. Et la Loopy, c'est une console que trop peu de gens voient sur Internet. Vraiment, je la montre plus souvent. Régulièrement des versions régulières. Avec l'émergence de la Saturn et de la PlayStation, il devenait toutefois urgent de passer à la vitesse supérieure. La NEC FX se veut le successeur 32 bits de la PC Engine. La NEC FX. On s'est écrit, hein. Bref. Réussira-t-elle à acquérir la notoriété de sa grande sœur? Rien n'est moins sûr. Avec Google Translate et le mobile, tu peux traduire en direct ce que tu filmes si ça t'aide. Puis ce que je viens de dire, mais du coup, ça, c'est un quiz. Donc au bout de 4 secondes, il faut répondre. Et malheureusement, le temps que ça trouve les caractères, que ça fasse la trad, que je lise la réponse, que je lise ce qui est écrit comme question, ensuite qu'il y ait les réponses qui soient traduites de la même manière, c'est trop long. Il y a du délai, ouais. Il y a trop de délai. Après, il y a du délai, Nia. Et du coup, c'est dommage, mais il y a un truc qui permet de, sur OBS, directement, de se plugger et de lire ce que le jeu écrit. C'est un peu plus compliqué. 4 secondes, c'est hyper tendu. Alors, en fait, c'est la question est posée, les réponses apparaissent, et quand les réponses apparaissent, t'as 4 secondes pour répondre. C'est un peu compliqué. Je relève même pas. Oh. Il y a une amertume avec la jaquette de Tomb Raider. Je sens qu'il y a une amertume avec la jaquette de Tomb Raider. Je trouve ça dommage, quand même. Je trouve ça dommage que quand on te montre des exemples, tu sois pas content. Désolé. Rien n'est moins sûr. De façon assez surprenante, la NEC FX, alors, elle change de nom à chaque fois, non? Ah non, NEC FX, encore une fois, d'accord. Ressemble davantage à une mini-tour PC qu'à une console. Seul le paddle ne choque pas, ergonomique et fonctionnel, avec sa double rangée de 3 boutons, il apparaît moins révolutionnaire qu'un paddle PSX, par exemple. Salut, Madéville!
Mais le classique a parfois du bon. En examinant la bête sous toutes les coutures, on découvre avec surprise trois trappes, cachant autant de connecteurs. Il sera possible d'y insérer des cartes de backup, comme sur PSX, carte mémoire, ainsi que des extensions mémoire. Et à l'avenir, les jeux se sentent à l'étroit dans la mémoire de la bécane. Des extensions mémoire, en tout cas, il y avait un lecteur SCSI qu'on pouvait mettre dedans, je sais pas à quoi ça servait exactement. Tellement mainstream pour jouer à la PCFX en original hardware avec simplement la console. Oui, c'est justement, on parlait justement de la la PCFX GA, la carte qui se branche sur PC 98, et il y a une édition qui se branche sur PC IBM PC, les PC classiques qu'on avait nous, en boîtier AT. Il est excellent ce son au saxo, il y a de la BO de Cobra. Ah bah ben, c'est fini. C'est Radio Night... City Night. La City... Ah, comment ça s'appelle? Évidemment, je me souviens plus du nom quand il faut s'en souvenir. Là, c'est Just Fall in Love de Yuko Ishikawa et ça s'appelle de la Night quelque chose. Vous savez? Je sais plus. Bref. La musique japonaise, très, très stylée. J'aime beaucoup. Donc les trappes avec le SCSI qui permettait des extensions, voilà. D'autres extensions typiquement nippones sont prévues, comme des kits permettant à la machine de communiquer avec les micro-ordinateurs locaux de NEC, inconnus hors du Japon, ou la PC Engine. Ça c'est pas fait, du tout ça. Carré, assez lourde, 2,9 kg, je trouve qu'elle est légère moi. En même temps, le jeu vidéo nous a habitués à des 8 kg, 10 kg avec les nouvelles consoles, donc 2,9 kg. Ça va. Inconnu en dehors du Japon. Le PC 98, ouais, clairement. Bah, tu peux passer ça, tu vas te faire striker, non? Bah, en fait, je me ferais striker sur YouTube quand je mettrais la VOD. En live, je me suis jamais fait striker des vidéos. Donc, là, clairement, c'est un live YouTube que je rediffuse, quoi. Bon, je pense pas que ça soit assez pointu pour que je me fasse strike. Après, il y a des gens qui strike, qui passent un peu tout et n'importe quoi. Hein. Si ça m'arrive, écoute, je serai triste et j'arrêterai. Mais tu vois, l'autre fois, quand tu disais que tu voulais pas passer les musiques de Cobra, moi j'ai passé l'intro de la musique de Cobra plusieurs fois et j'ai pas eu de problème, tu vois. Alors que moi, pour le coup, je suis affilié. Pour le coup, c'est beaucoup plus gênant pour eux si un affilié se fait choper que si c'est juste un membre. Carré, assez lourde et uniformément blanche pour certaines et jaune pour d'autres, cette console n'est pas très jolie. Oh. Eh, le côté objectif de journaliste, quoi. Cette console n'est pas très jolie. Ok. Certes, mais comme dirait le sage, c'est l'intérieur qui compte. Il n'a pas peur, d'un coup, c'est un fou. Moi, j'ai pas peur. Il y a une limite en seconde pour éviter le strike. Il y a pas de limite en seconde, non. Non, en fait, les trois quarts des gens qui se font striker sur les trucs copyrightés, c'est soit que l'ayant droit regardait, soit qu'ils se font balancer par les gens. Ils se font juste report, en fait, par les gens. Cobra, j'ai passé l'OAV complet pendant que je faisais le jeu sur Mega CD. Il y a toujours la VOD. Ouais, sur Cobra, je pense que j'y crois pas trop, tu vois, d'avoir des problèmes sur des trucs un peu japonais, un peu obscurs. Par contre, si tu vas passer du Jennifer Lopez ou un truc américain, j'allais dire Jennifer Lopez, Shakira, putain, je fais que dire des trucs pas 100% américains, mais bref, des artistes, genre comme des artistes actuels que je connais pas, du coup, qui sont actuels, je pense que là, t'auras des problèmes, tu vois. Ou diffuser Sonic Frontier 2 heures avant sa sortie, tu vois. Ça, par exemple, là, tu te fais strike direct. Là, tu te fais même virer ta chaîne pendant combien? C'était combien de 48 heures de bannissement? Putain. 48 heures de ban, quoi. Pour avoir joué à Sonic Frontier en avance. Juste parce qu'il y avait des OP, quoi. Il y avait des gens qui avaient des OP, quoi. Ça m'a dégoûté, hein. Le Sonic Frontier, je l'ai encore au travers de la gorge. Au niveau technique, les concepteurs ont adopté une démarche diamétralement opposée à celle de Sony et Sega. Sur cette machine, la 3D a été négligée pour mettre l'accent sur la restitution des dessins animés. Ça rabaisse un peu, mais bon, bref. Il y a des jeux en 3D d'ailleurs. Il y a des jeux qui font un peu de la 3D en mode dungeon crawler chelou.
Et moi, une semaine pour 16 couleurs. Oh, 16 couleurs qui formaient des images... hein? Pas seulement sexuelles, mais un peu trop jeunes, en plus. Enfin, je sais pas, j'ai pas vu, en fait, ce qui t'a fait striker, mais bon. Des dessins animés. L'AFX peut ainsi afficher en un temps record des images lues depuis le CD. Incroyable. On se trouve de cette façon devant de véritables dessins animés ne nécessitant que très peu de chargement. Les Japonais sont friands de ce genre de réalisation et c'est tant mieux puisque l'AFX s'adresse uniquement à eux. La nouvelle machine de NEC a clairement été conçue par et pour des Japonais. Elle fait donc figure d'exception culturelle au milieu de toutes les nouvelles consoles. Ciblant un public très particulier, elle apparaît assez inutile pour nous autres petits Français. Seuls les fans d'animation japonaise pourraient craquer, mais la barrière de la langue rend les jeux difficilement accessibles. En effet, le problème des traductions est plus crucial encore que sur PC Engine, puisque la ludothèque de la FX semble privilégier les RPG et autres styles de jeux où les textes à l'écran sont trop nombreux. De plus, le prix prohibitif des produits FX en import achève de nous convaincre de ne pas acheter cette console. Ici, même les fans les plus acharnés de la marque comme Iggy, Robbie ou Chris n'imaginent pas une seule seconde de se procurer une NEC FX. La prudence dicte leur sage conduite. N'hésitez pas surtout à appeler Player One au 36 68 77 33 pour tester vos connaissances Sega. Les meilleurs gagneront les Mix 2 sur Mega Drive. C'est vraiment de la merde, hein, ce qu'ils font gagner. Hein. Les Mix 2 sur Mega Drive en février 95, c'est vraiment chaud du slip. Hein. Désolé, hein, mais vraiment, ça donne pas envie de les appeler, quoi. La fiche technique. Alors, c'est toujours intéressant de voir la presse des jeux vidéo des années 90 parler technique. Globalement, la NEC présente des caractéristiques auxquelles on est habitué sur ce type de machine. Elle diffère néanmoins par un point important. L'effort a été porté sur la capacité de la machine à lire des images compressées depuis le CD-ROM, à les décompresser à grande vitesse et à les afficher à un rythme élevé. Résultat, la bécane serait capable d'exit NEC d'afficher 30 images plein écran en 16 millions de couleurs. Non. Ça, c'est faux. Il n'y a jamais 16 millions de couleurs simultanées à l'écran sur une console 32 bits, surtout quand elle décode de la vidéo. Elle pourrait donc offrir des dessins animés incroyables, aussi beaux que les plus belles OAV. Un film cinéma normal affiche 24 images par seconde. Voilà, le fameux personne voit 60 images par seconde, les films de toute façon c'est 24. Miskina. Revers de la médaille, la possibilité 3D ont été négligées, aucun coprocesseur ne s'occupe du calcul et de l'affichage des polygones. Le processeur central, qui n'est pas une bête, doit donc se taper toute la gestion des jeux 3D. Il n'y a pas de jeux 3D dessus. Ah, il y a 9 plans simultanés ici. Alors que si on va sur Wikipédia, 18. Je me souviens bien. 6. 7, 8, 9, c'est ça? Ah oui, d'accord, c'est 9 layers en tout. Ok. Au menu de la NEC FX. Quand vous mettez la console en marche, un menu de choix apparaît. Vous pouvez ainsi vous servir de la NEC pour lire les CD audio. Je vous montre. Là, hop, vous avez une meilleure illustration que la gueule des screenshots de magazines de l'époque. Voilà ce qui se passe quand on allume la PCFX. Et vous avez notamment de quoi gérer la mémoire de la console. Tac, 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 la mémoire, elle doit être... c'est ça. Il arrivait de passer de la City Pop, c'est ça que je cherchais comme nom, dans mes lives. Ça rend trop bien, c'est super chill comme zik. Vu qu'un mec avait sorti un PCB pour remplacer la lime 110 volts interne, elle souffre aussi de la condomania. Apparemment, c'est plutôt une pile qui est à l'intérieur, justement. C'est la pile qui permet de stocker tout ça, qui fuit. Les condos, ça sert à rien de les remplacer sur la PCFX, parce que pour l'instant, aucune PCFX n'est en panne à cause des condensateurs. La seule panne qui pourrait arriver, c'est que la pile fuit sur la carte mère. Si elle est stockée sur le coucher en fait, et que la pile se met à fuir, il se pourrait qu'elle bouffe des traces. Mais les condensateurs sont pas vraiment touchés actuellement. Donc on a Farland Story FX, on a Team Innocent qui est excellent. Et Farland Story FX c'est un jeu tactical vraiment stylé. On a Zenki que j'avais gravé, on a Zero Igar qui a déjà eu le temps de faire sa petite sauvegarde, 384. Avec le FX GA, c'est top pour la mémoire, c'est juste deux fichiers sur le HDD. Pour la mémoire interne, l'autre pour la cartouche d'extension. Le backup des fichiers, c'est cool. Oui, d'accord, tu peux en fait, t'as la place infinie, quoi.
peut voir, on peut copier, non, on peut pas. Ça c'est pour formater, j'imagine. On va pas le faire du coup. Voilà, donc c'est tout en japonais, hein, bien sûr. Là on est en S-vidéo pour la sortie. Vous voyez que c'est extrêmement clean encore une fois. Donc l'option centrale, c'est pour lancer le jeu. On a une option CD audio qui est très très classique et une option CD image. Parce que la PCFX est capable de CD plus G, si je ne me trompe pas. Voire de CD photo, possiblement. Je sais pas exactement. Salut Bubble Bubbles, comment ça va? Multimédia, ouais. C'est une vraie machine multimédia qui fait lancer le jeu. Et on va revenir sur Player One, qui a continué après à tester les jeux, notamment le fameux Battle Hit. Qu'est-ce qu'on a là? Attends, on a juste des pubs sur les côtés. Et on a des images des jeux aussi. On a Battle Hit ici. Vision du futur, pour vous donner une idée des possibilités de la NEC, voici quelques images de jeux en développement très beaux, mais pas pour nous. Je comprends toujours pas, en fait. Ah! Ça va, il y a les trucs d'imprime, on n'a pas vu. Allez, c'est... On a Battle Hit, du coup, bah voilà à quoi ressemble la boîte de Battle Hit. Voilà à quoi ressemble une boîte de PCFX. C'est très gros, c'est très beau. On peut voir que ça s'ouvre comme ça. Est-ce que c'est chiant, ça? Hop, avec la mousse. Attention à la mousse! Bien sûr, on enlève la mousse. On a la notice. Magnifique, vraiment très belle. Encore une fois, hein, le format de la boîte est très important. Je trouve que ça fait partie de l'expérience d'achat. Ensuite, on a des petits volets pour les multi-CD, toutes les boîtes ont ça. Et on a le jeu à l'intérieur, le CD est très classique pour Battle Hit. Il est en état neuf, celui-là. Et les notices étaient en couleur, très belle, très propre, très jolie. Avec la red card à l'intérieur. Et vous voyez, le détail des personnages directement à l'intérieur, c'est vraiment propre. Cassiopeia. Très très chouette, ouais. Pour le coup, les boîtes PCFX, ça me donne envie d'en racheter des jeux PCFX, mais c'est compliqué, quoi. C'est un peu cher. Ah, on a aussi le sticker qui fermait la boîte. Alors, vous voyez la boîte ici, hop, elle se ferme comme ça. Le mec avait mis le sticker PCFX à l'intérieur. Mais il était le long de la boîte pour sceller ici. Pour sceller le bord. Je vais le poser là-bas. C'est pas un vrai décor, on parle rien. On voit un peu que c'est un jeu, allez. Vous avez vu, c'est un vrai décor, hein. C'est pas un fond vert. Incroyable. D'ailleurs, bientôt, la table va gicler, elle va dégager bientôt. Donc, des trois jeux que nous avons vus sur NEC FX Battle Hit, et sans aucun doute celui qui nous a le plus impressionné, et pourtant c'est le moins bon. Hein. C'est probablement un des moins bons que j'ai eu entre les mains, parce que clairement, il est injouable, et pas seulement parce qu'il est en japonais, mais parce que les timings sont impossibles. Même en cathodique, j'arrive pas à y jouer. Dans le fond, ce n'est qu'un jeu de baston assez classique, 8 personnages, coups et pouvoirs spéciaux, tournois. Mais en ce qui concerne la réalisation, on a affaire à un véritable dessin animé. Chaque coup donne lieu à des séquences animées incroyables, un vrai dessin animé. Lorsque vous battez les échanges de coups... Allez, je vous laisse, je vais bosser mes cours pour demain, je lurk de loin. Bon lurk, Ophilippos, et bonne soirée à toi. J'espère que ça va bien se passer. Bah, c'était encore un peu de temps après, on sera sûrement sur... On sera encore sûrement sur... Shujin Eiki Zeroiga. Je sais pas comment on dit. Tu seras le bienvenu. Voilà. Lorsque vous battez, les échanges de coups se font à une vitesse remarquable. Il y a une réelle intensité dans les combats. Si Battle Hit semble assez amusant, il ne le reste pas bien longtemps. En effet, les images des affrontements sont toujours les mêmes et on se lasse du jeu assez rapidement. Son côté technique n'étant pas très important, un jeu novateur qui a au moins pour lui d'évidentes qualités d'esthétique. On peut voir que les captures étaient relativement propres. Le problème, c'est que le tramage d'impression, il est très visible. Je me demande même si on n'a pas scanné un magazine japonais parce que
le tramage d'impression, on l'a pas sur le reste du magazine, on l'a vraiment que sur les screenshots. En train de me demander s'ils ont pas pris des magazines japonais en faisant croire qu'ils avaient la console en fait. Je me demande. Bref. Néo Génération, pour nous autres pauvres Gaijin, pas Gaijin, Gaijin. Ici, tout est en nippon, les innombrables paroles digitalisées comme tous les textes. En effet, le CD apparaît comme une sorte de RPG dans lequel vous incarnez une étudiante vivant sur un campus. Vous semblez devoir veiller à ce qu'elle passe la meilleure année possible en ce qui concerne sa vie en dehors des études, hobbies, sorties, etc. Votre réussite. Zako, à l'époque, je me disais déjà ça. Genre, il prenait des photos. On dirait qu'ils scannent qu'ils ont scanné un magazine existant. Et que du coup, leurs photos de la console, là, c'est les photos du magazine japonais, quoi, du coup. Il faudrait retrouver le Famitsu de l'époque pour voir si cette photo-là était déjà là-bas. Il n'y a pas le logo Player One à côté, par exemple, tu vois. Je me pose juste la question, j'accuse pas. Mais bon... Votre réussite étant comptabilisée sous forme de données, menu déroulant, tableau graphique, l'ambiance est typique d'un dessin animé japonais. Salut Blitz Warrior, comment ça va? Un super capaciteur pour la SRAM apparemment. Tu peux le remplacer par de la FRAM. Ça c'est bien. Ça c'est cool les modes FRAM, je suis très très fan. J'ai vu qu'il y avait des jeux Game Boy Color, Game Boy Advance qui commencent à être traités comme ça. Notamment des jeux Pokémon qui ont de la FRAM à la place de la SRAM. Et surtout la Saturne. La Saturne, il y a un mode SRAM et multibios qui est super cool. Ça rend la console vraiment super intéressante parce que vos sauvegardes ne sont jamais effacées avec la FRAM puisque c'est de la vraie RAM. C'est de la RAM qui n'a pas besoin d'être alimentée. Ça, c'est plutôt cool. J'en ai fait une cette semaine. Et bah, tu as beaucoup de courage. Félicitations à toi. Je sais que Cabri... D'ailleurs, tiens, je vais à Paris. Alors, je vous dirai ça après. Ouais, c'est juste après. Trop réussite, hein. Couleur pastel, musique guillerette. L'ambiance est typique d'un dessin animé Jap avec fille. Très bien. En regrette qu'après le véritable DA, dessin animé de l'intro, le reste du jeu soit composé de beaux écrans, certes, mais désespérément fixes pour la plupart. Bref, on ne semble pas manquer grand-chose. Je serai sur Paris d'ici octobre, première semaine d'octobre. Voilà, s'il y a des gens sur Paris qui veulent faire une rencontre abonnée, je sais pas où je serai, sans doute chez MO5, si vous êtes membre MO5, vous pourrez peut-être me voir quelque part, à un moment, chez MO5, s'il y a un événement autour de début octobre, j'essaierai d'y aller. Voilà. Ah oui, si tu veux prendre un café d'Elenia, par exemple, oui. T'avais dit qu'il fallait que je te prévienne, d'ailleurs, j'ai prévenu beaucoup de gens, et j'ai oublié beaucoup de gens, je m'en rends compte. La suite de Power Doll PCFX est sortie sur PS1 pour info. C'est un tactical visual novel assez sympa. D'accord. Bah, c'est intéressant parce que je connaissais pas Néo Génération. Je sais pas. C'est intéressant. Et Team Innocent. Alors celui-là, il est très intéressant. Je l'ai aussi. Je vous le ferai découvrir dans un autre live. Il a pas été traduit en anglais, celui-là, malheureusement. Et il est pourtant très cool. C'est un Resident Evil-like. C'est assez drôle d'ailleurs. Ça se joue comme Resident Evil avec des personnages en 2D au lieu des personnages en 3D. La console a beaucoup de mal avec la 3D, mais par contre vous avez des images fixes en CGI très très propres qui vous permettent de placer le personnage avec des effets de zoom et des sprites et des effets de changement de sprite avec les rotations du perso. Ça c'est plutôt classe pour le coup. Ah bah voilà, exactement. Vous parlez de Team Innocent et choses assez délicates. En effet, si ce jeu arcade aventure semble assez intéressant, le fait qu'il soit entièrement en japonais le rend inaccessible à la plupart d'entre nous. Perdu dans une base spatiale abandonnée, vous visitez différents endroits, écrans fixes, et essayez sans doute de découvrir ce qui a bien pu s'y passer. Le jeu est découpé en différentes missions. Il y a aussi un vrai problème d'âge dans les personnages de ce jeu, de Team Innocent. Il y a deux jeux qui ont vraiment un problème d'âge. C'est Team Innocent et un autre jeu plateforme un peu... pas plateforme, arcade, style Bubble. J'ai un peu peur. Je sens que ça fait partie des jeux assez sympas sur PC. Vraiment, Team Innocent, il faut que je vous le fasse en live, parce que même si on comprend rien, enfin on comprend rien, je pense que je pourrais le traduire en temps réel, celui-là, pour le coup, mais même si on comprend pas trop, le jeu est quand même intéressant à jouer. C'est quand même rigolo à manier, je trouve.
Les utilisateurs, un inventaire vous permet d'utiliser des objets que vous trouvez en interaction avec certains éléments du décor. Classique en ce qui concerne la réalisation, le mélange graphique peut paraître assez surprenant. L'image de synthèse, l'image de synthèse qui apparaissent au beau milieu d'un dessin animé, et le résultat est époustouflant, un jeu sans nul doute assez profond, dont on ne peut malheureusement qu'effleurer la surface. L'intro de Team Innocent, je vous l'avais montré quand j'avais reçu la console, est assez dingue. Elle est vraiment vraiment cool pour le coup. Je vous montre la page CD Romance, où je télécharge à chaque fois les ISO CD Romance, c'est vraiment... Il est lourd le gameplay, et pourtant j'aime le temps de contrôle. Et le mélange CGI, dessin et pixel art zoomé. Moi ça me... Franchement, Team Innocent, ça m'a pas dérangé. Je trouvais que pour la PCFX, c'était quand même stylé. Je vous envoie donc le lien CD Romance. Pour le jeu de ce soir, c'est un site qui patch les ISO comme personne. Ça me permet de pas me prendre la tête sur patcher les ISO, récupérer les full sets et aller récupérer les ISO une par une. Voilà, vous pouvez voir déjà des petites images, des sous-titres jaunes, comme vous le voyez d'ailleurs depuis tout à l'heure en bas. Et on a aussi Farland Story, il y a pas mal de jeux récemment sur CD Romance qui ont popé, qui patch sauf en français. Des fois ils patchent en français. Ah ça c'est le jeu problématique, non? Ah non, Rurira, c'est justement le jeu de plateforme aussi que je voulais vous montrer un jour. C'est un jeu de plateforme comme ça, et il est extrêmement random au niveau des sauts. Extrêmement imprécis au niveau des sauts, ça bousille complètement son gameplay, et il est entrecoupé de plein de séquences vidéo super stylées. Là vous voyez des screenshots d'émulation, qui font que bah, les vidéos ont l'air dégueulasses, alors que sur un CRT, c'est quand même plus joli. Tu fais tourner sur quel hardware ou ému? Alors, je fais tourner sur la vraie console. Est-ce que c'est possible, par contre, d'avoir un meilleur rendu sur ma webcam? Parce que là, c'est dégueulasse. C'est encore plus dégueulasse. Et la petite musique du réglage de la webcam. Pas mal là. C'est mieux là. Je sais pas pourquoi il était mal réglé comme ça. C'est quand même dingue ce design pour une console des années 90. Je suis sûr et certain que ce design a eu vraiment a vraiment rendu un vrai challenge pour les acheteurs. Je suis certain que les gens se disaient, ça c'est la version en version ordinateur, il y aura une version console de jeux vidéo qui va sortir. Je suis sûr qu'il y a des gens qui l'ont attendu. Hein. Ça sert à quoi le FXBMP? C'est une carte mémoire. C'est une carte mémoire le FXBMP. On l'a vu tout à l'heure sur la page matériel. FXBMP, cartouche de sauvegarde, 128 kilobits, alimenté par deux piles AAA. En plus, faut mettre des piles dedans, putain, c'est vrai que c'est de la merde. CCC adaptateur permettant de connecter la PCFX à un PC pour l'utiliser comme lecteur de CD-ROM. C'est vrai qu'on pouvait aussi la connecter en port SCSI directement. Peut-être tu sais, moi, sorti la PS1 JEP ces dernières années, j'ai pas trop suivi les patchs. La deuxième manette, elle se branche en dessous de la première, en fait. Ici, t'as la première, quand tu débranches. Il y a un petit port en plastique ici. Je sais pas si vous voyez bien. Il y a bien deux ports manettes en fait. Il y a un petit tour en plastique pour cacher le port manette pour pas l'oxyder. Pas le rendre. Tu vois, ça me fait penser à un cycle de l'Inde. C'est un trou batterie là. Et ici, donc on met la carte mémoire. Voilà. Ici, c'est pour mettre la carte mémoire. Dommage que j'ai pas assez de zoom sur cette webcam là. Par exemple, je trouve une cam là, ici, qui vous permet de bien zoomer sur la console. Ça fait genre un mini PC, exactement. Ça fait un mini PC et je pense que c'est un des cœurs du problème. Donc voilà, et le FX Pad, c'est la manette 6 boutons.
Et à l'arrière, on pouvait brancher une carte backup RAM FXBMP. Mais c'est pas à l'arrière, ça. Attends, port SSI IO à l'arrière. Ah d'accord, ils décrivent les ports d'extension et ce qu'on peut brancher dessus après. Pas très très clair. Elle ressemble à quoi la memory card? La memory card, elle ressemble à... à ça. PCFX, FXBMP. Un peu fou la photo, mais bon. Et après, on avait une souris, hein, bien sûr, qui était prévue, et je suis même pas sûr qu'elle soit sortie. Et on avait la manette. La manette, elle est belle. Quand tu vois les extensions qu'ils avaient prévues sur, pour la Super Graphics, et pour ça, et rien au final. Ouais. RIN. Absolument RIN. La deuxième manette, elle se branche, du coup, devant. C'est pas comme le CDI où t'as un port à l'avant et un port à l'arrière. C'est assez bizarre, ça. Ouais. On va passer à un stand-by. What are you buying? Et ça va être très rapide, vous allez voir pourquoi. Il n'y a qu'un exemplaire du jeu sur l'internet mondial actuellement, sur Mercari en tout cas. On va aller voir après sur Yahoo Japan Auction, bien sûr, pour les amoureux des frais supplémentaires. Et on peut aller voir sur eBay si vous avez envie de payer 2000€ un jeu. Mais on peut voir ici 56 377€ pour un exemplaire qui n'est pas en excellent état. Qui a pourtant la spin card et la red card. La notice, on peut voir que c'est un jeu PC FX avec une boîte classique, malheureusement. Il y a eu aussi des jeux avec des boîtes plutôt normales. Quoi que l'état a l'air plutôt bon en vrai. Dommage qu'il ait un peu... ferme. On peut aussi le patcher le BIOS en anglais. Alors ça par contre, c'est le dernier truc que je ferai sans doute sur la console. En gros, déjà la démonter pour résoudre le problème de la pile, ça va être très, très chiant pour moi. Donc, flasher des choses, j'ai pas envie. J'ai pas envie de la casser. Le pire, c'est que le. Oula, a utilisé une carte 3D avec PowerVR dans le PC 4.1. Ils auraient pu faire un add-on pour le PC FX avec un PowerVR et non. Ils auraient aussi pu rendre les jeux PC Engine compatibles. Mais ça, c'est un truc de fou. Imagine à quel point cette console aurait de la valeur aujourd'hui. Si elle était compatible avec PCFX, quoi. J'ai pas besoin. J'aurais jamais besoin. Mais si j'en ai envie, peut-être, un jour. Mais j'ai besoin... non. Traduire le BIOS en anglais... non. Vraiment, ça va. J'ai voulu le faire sur ma PSX, d'ailleurs, ça. Et je l'ai pas fait, au final. Je me suis rendu compte que ça pouvait vraiment flinguer tout, quoi. J'ai pas envie de mettre des fichiers extérieurs, ça me fait peur. Ça me fait vraiment flipper de flinguer des machines comme ça. Même si la PSX, ça ne vaut rien. PSX, lecteur enregistreur de tuner TV, de sortie vidéo, entrée vidéo, compatible PlayStation 1 et PlayStation 2, sorti uniquement au Japon. Il pèse, pour le coup, ils disent que la PSX est lourde, la PSX elle doit peser plus de 10 kg. Quel enfer. Donc voilà, ici on a un bel exemplaire à 377€, on va aller voir sur Yahoo Japan Auction. Et là on va rire. PowerVR c'était cool. PowerVR c'est ce que a eu la Dreamcast au final. Ah, il y en a plus. Ils sont beaucoup trop chers. Alors il y a un flyer. Samedi San, il y a un flyer. 25€. Si tu veux. €469. €459 en achat immédiat. Ici. Sans la spin card, sans la red card, apparemment. Ouais, sans la spin card, sans la red card. C'est cher. Et en plus, vous payez les frais de port domestiques, les frais de port internes au Japon. Pour cette annonce-là, vous les payez. C'est vraiment inintéressant, impossible, cette offre. N'y allez pas. Ici, on a un CD bizarre, on dirait un CD-R de Next Sample Not For Sale. Alors ça, par contre, 337€. Je pense qu'il aurait pu le mettre le prix qu'il veut. Hein. Parce que pour trouver ça, pas de spin. Pas de spin, c'est rédhibitoire chez certains, je sais. Et le flyer, il est très joli. Après, l'ADA du jeu est très très belle. Hein. Enfin, je pense qu'il y a des gens qui dépensent des cinquantaines et des soixantaines et des centaines d'euros dans des flyers. C'est quelle taille ça? Du coup c'est 21-29-7? Il n'y a pas la règle habituelle du côté. A4, c'est un A4. Okay.
Il faut savoir que je vais avoir la pique-nique dans la semaine. C'est cool, quand même. Attends, je viens de réaliser que finalement, je l'aurai sans doute demain. Donc. Et ça, c'est quoi, spécial CD-ROM? Ah, d'accord, c'est un disque de démo. Bah écoutez, on va passer au jeu. Parce qu'on a déjà bien déblatéré. On va activer le son de la console. Et on va surtout rester allumé. Comme ça, on va regarder l'intro telle qu'elle existe. Ça court pas les rues. Si, la PC fixe, elle se trouve plutôt bien en vrai sur Bali. Alors, regarde, on va faire. Aller sur le BIOS de la console. Ah, le jeu s'est lancé tout seul. Première fois de ma vie que ça arrive. D'habitude, les jeux ne se lancent pas tout seuls, et là, il s'est lancé tout seul. Je vais juste faire des recherches PC fixe parce que c'est intéressant de regarder s'il y a des PC fixes sur Bali. Hop, hop. Il faut juste chercher le bon terme. Mais la dernière fois que j'ai cherché, elle avait plein. Hein. PCFX, ça c'est PCFX. Alors on peut chercher de deux manières, hein, la PCFX. On peut aussi la chercher sous le nom PCFX. Terrible ça! Elle se lance tout seule. J'ai réussi à avoir des jeux avec la Picno. Non, j'ai qu'un seul jeu avec la Picno. Un jeu, une carte mémoire. Donc ça va être, si je fais un live, ça va être un live découverte, déballage, il faudra que je fasse autre chose à côté, parce que je sens pas. Ah bah tiens, ici on a un lot à 168€ avec 3 jeux, en loose. Pas mal. 168€ avec 3 jeux, c'est bien. En vrai, l'acheteur devrait payer les frais de port nationaux pour cet article. Alors par contre, oui. Alors le mec est un bâtard, parce que c'est très rare qu'il fasse ça, les gens. Qu'est-ce que vous avez alors? Vous avez le cap d'alim qui est intégré à la console. Vous pouvez pas le retirer, le câble d'anime de la console, il faut démonter la machine. 280 en loose. 280 en loose HS. C'est cher, 280. Là, c'est 168. Avec 3 jeux, donc Battle Hit. Et c'est quoi l'autre? Là, je sais pas ce que c'est comme jeu, mais je l'ai déjà vu plein de fois, je l'ai jamais pris. C'est intéressant ce lot-là. Je sais pas où tu la vois à 280. Et là, elle est à 200 avec, 3, avec encore 3 jeux d'ailleurs. Salut Rax! Comment tu vas? Il y a la notice dans celle-là. Il y a une carte mémoire dans celle-là. La mallette, elle est jaune de chez jaune, malheureusement. Et les jeux, c'est pas des jeux. C'est, malheureusement, c'est les PC. C'est les. Justement, c'est les jeux de la gamme. FX machin. Comment ça s'appelle? C'est des animés freaks, les jeux, malheureusement. Et il y en a un, c'est un vrai jeu, je sais pas ce que c'est. Pas très intéressant, hein. On bossait, on me déconcentrait. What are you buying? Exactement. Et après, donc PCFX, on va le mettre dans. Alors Yahoo Japan Auction, c'est sûr et certain qu'il y en a. C'est tout à fait, alors d'ailleurs, c'est drôle parce qu'à chaque fois que je vois des gens me dire oui, mais. Yahoo Japan Auction, c'est mieux. Bah déjà, c'est pas mieux parce que là, il y a quasiment pas de jeu. En fait. Je pensais qu'il y en aurait. On peut aussi chercher PCFX. Le problème de Yahoo Japan Auction, c'est que tous les trucs communs que les gens connaissent, en général, les trucs sont plus chers là-bas. Taper PCFX, j'aime pas ça. Ah, des jeux PCFX, on en a déjà. Mais est-ce qu'on peut avoir une console? Je crois pas. Il n'y a pas de console sur Yahoo Japan Auction actuellement. T'as remarqué, il y en a deux. Et il y en a une qui est intéressante. C'est la 168, j'insiste. Hein. Elle est intéressante. Moi, j'ai payé la mienne en boîte. Avec les polis, avec le plastique, avec plein de trucs à l'intérieur, je l'ai payé, je sais plus. Voilà. J'espère que ça vous avance. Ici, on en a une toute seule à 296€, c'est très très cher. Est-ce qu'il y a des jeux avec ou est-ce qu'il y a la boîte avec? On n'a pas vu sur les consoles. Allez, en boîte avec 4 jeux, d'accord, 296€. C'est un peu cher. Ça reste un peu cher. Parce que c'est pas des jeux ultra introuvables non plus.
En bon état. Ça va. Il y a la notice. Il y a la manette. Et je sais pas s'il y a des câbles vidéo, mais c'est des câbles standards. Hein. C'est des câbles composites qui étaient fournis avec. Et évidemment, si vous jouez avec, branchez-la s'il vous plaît en S-Video. Respectez-vous. Ne jouez pas en composite. Si la console a du S-Video, jouez en S-Video. S'il vous plaît. Et là, on en a une à 114€. Endommagée. Alors, est-ce qu'elle est junk ou est-ce qu'elle est juste endommagée? Non, elle marche. Elle fonctionne. 114€, une PCFX complètement loose qui marche, ça peut être... Bon, c'est pas mal, hein. C'est pas si cher. Par contre, est-ce qu'elle lance les jeux? Ça, on sait pas. Et elle marche. Elle s'allume, quoi. €269, ouais, bon. Ah, le composite, s'il y a du S-Video, non. Mais par exemple, pour une 64 PAL, le composite, bah, c'est la seule chose que tu peux mettre. La Loopy, t'as que du composite. La Bina, que du composite. C'est des consoles comme ça que tu peux pas brancher autrement. À part si tu veux les modder et faire l'apprenti sorcier avec des signaux vidéo. Mais... pas trop le choix. Ah, Dragon Knight 4, 25€. Ah, bah, il est pas cher. Mais qu'il est beaucoup plus cher que ça. C'est marrant que ça soit écrit en anglais d'ailleurs. Que le jeu n'ait pas un titre japonais, tiens. Ça a l'air relativement. Je sais que cette scène n'existe pas sur Super Famicom. Dans Dragon Knight. La scène de l'allaitement. On est reparti. Hop. On allume la PCFX. Et on est parti sur le jeu. Avec le petit logo de démarrage, et on va regarder l'introduction. On va juste vérifier que la luminosité n'est pas mal réglée. Et là, comme par hasard, elle se lance pas. Elle se lance pas toute seule, la console. C'est vraiment... Ah si, elle se lance toute seule si on attend. Attention, un peu de silence. C'est parti. ベータ28銀河系は死の影に覆われた。列車と徹底した破壊と殺戮をもって恐怖の皇帝ゼム率いる優勢帝国が全銀河の支配を開始したのである。中でもゼムに忠誠を誓う7人の戦士の戦いは凄まじい。 C'est stylé quand même. Danga. Docteur Lulga. La dégaine, quoi. Les clichés de la japanimation. Ah, c'est Goldorak qui a les cheveux comme ça, là. Les cheveux en mode... qui remonte, qui herbique. Fais demi-tour. Si tu fais demi-tour, l'empereur te pardonnera. Ouvre les yeux, Luna. Regarde ce que l'Empire fait. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu dis du mal de l'Empereur, Zemu. Quoi? On va trop faire doubler les jeux, et faire redoubler. En 1945, calendrier terrien. Le Japon après la première, après la deux, la seconde guerre mondiale. Elles ont atterri sur Terre après la seconde guerre mondiale. Ah oui, c'est terrible. C'est marrant. Comme c'est là.
La rencontre qui a décidé du destin du monde. Alors, pour répondre à ta question, niveau visuel, c'est mieux que la Play en résolution. Oui, il y a plus de modes de résolution possibles sur la PCFX. La Play elle a qu'un seul mode de résolution. Elle fait que lire de la vidéo, la Play. Mais c'est une console de jeux vidéo quand même. Ah d'accord, la démo tournante, elle a pas de texte ni de voix. Elle a juste un magnifique animé. Moi franchement, j'achète le jeu à 50 balles ou à 60 balles. C'est un... Trop bien. Une super récompense, cette intro là. Déjà. Et la trompette. Quelle intro quand même, rien que ce jeu vaut le coup. Ah, rien que ce jeu vaut le coup, ce jeu il est incroyable. Après les intros comme ça, il y en a beaucoup hein, sur la PCFX. Moi tu connais mon avis Nick sur le mode RGB de la Playdia. C'est vraiment atroce quoi. Zeroiga. Je me demande si cet écran-là n'est pas en plus haute résolution que la vidéo, d'ailleurs. Et là, ça relie l'intro du jeu. Ouais, d'accord. Oui, c'est ça. Run. Alors, on a des options qui permettent de régler les difficultés. On va essayer en normal, parce que tout à l'heure, j'ai joué. Alors, je sais qu'il y a des gens qui vont même clipper ce moment, et ça me tue. Je sais qu'il y a des gens qui vont clipper ce moment. Mais... j'ai joué tout à l'heure en mode facile, et j'ai trouvé ça trop facile. Voilà. Donc je sais qu'il y a des gens qui vont dire « Je comprends pas, tout à l'heure tu disais que c'est trop facile. » Alors je me suis mis en mode B, pour les deux modes de turbo, pour avoir l'autofire. Professeur Fujishima est un brillant chercheur. Zeroiga, l'arme pour défaire l'Empire Lemu. Trop d'énergie, attention! Ah oui, d'accord, ils étaient en train de développer le robot. Il est hors de contrôle! Le design devrait être parfait. En train de développer le moteur, du coup. Le robot. Moi, on passait à la base secrète. Un pilote solitaire. Et bon. Oh. C'est super stylé. Hein. Que là, t'attendais, Go. J'avais grandi comme frère et sœur. D'accord, l'avion qu'ils ont monté t'attendait aussi. L'Empire a attaqué, putain c'est incroyable, cet animé est tellement beau. C'est évidemment beaucoup plus joli sur le CRT. Hein. On monte un petit peu sur le CRT. Et quand on joue après l'intro. Allons. Zeroigar. Ah, trop, elle est incroyable. Et là, le jeu commence. Zone 0, Zeroigar Strikes. L'attaque de Zeroigar.
Il y a eu un changement de résolution. Qu'est-ce qui se passe au mont Fuji? Alors, on appuie sur... alors, compliqué. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 comme bouton. Là, j'ai appuyé sur 3. Ça m'indique l'armure restante. 4, 5, 6 font rien. 2, ça permet de tirer. Donc là, je suis en auto-fire. C'est pour ça que vous voyez que c'est une bande ininterrompue. 2, c'est donc pour tirer 1. Ça sert à rien. Et voilà. Pour l'instant, il n'y a pas une grande difficulté, encore une fois. Pourtant, je suis en normal. Hein. Le déplacement du vaisseau a accéléré de ouf. De vie. D'accord, ok. En fait, c'est pas one shot kill, donc je me sentais vraiment très fort tout à l'heure. J'avais pas vu qu'on avait une barre de vie, en fait. Warning! Nos refuges! Nos refuges! Sur 50, j'ai de batterie. Oula! La musique du bonheur, ça, la musique est cool. Terminé. Ah, c'est le boss. C'est impressionnant de voir les boss dans les FMV. Je trouve ça cool. Ça le rend plus impactant. Pour revenir à la vidéo en RGB, en S vidéo et RGB, le S vidéo et le RGB, la différence est vraiment légère quoi. Le RGB c'est quasiment du, enfin, le S vidéo c'est très proche du RGB. Professeur Fujishima, sortez de là, professeur. Le Raimei est le cerveau de Zero Aiga. Chez vous, activez Zero Aiga. Ah voilà, maintenant j'ai le robot. J'avais pas vu que j'avais le robot tout à l'heure. Oh, tu es un peu plus grand maintenant. Mais tu n'es encore pas à la hauteur par rapport à moi. Oula. Il me fait trucider. Après, c'est pas en dehors des options que je le fasse trucider. Facile, je suis même pas mort contre lui. Je suis resté sur la trajectoire de son missile. Ce qui n'était pas une bonne idée finalement. C'est pas un bon calcul. Can you still fight? Yes, no, yes. Ah, ça c'est intéressant, je connaissais pas. Du coup, remplacer l'armure. Ah, j'ai fait bas. Et ça recommence au début du niveau. Ah d'accord. Je pensais que ça recommencerait au boss. Bon, j'ai été un peu trop enthousiaste. Un peu trop optimiste, pardon. Effectivement, normal, c'est un poil plus dur. Mais le jeu a pas l'air si dur, finalement. Je me demande si les vrais gamers du cœur de la meule lui ont reproché d'être trop facile. Ça m'étonnerait tellement pas. C'est insupportable que Zero Aiga soit si facile. C'est dégueulasse. Ça rend le jeu accessible à tous, c'est honteux. Vous connaissez, hein, les gamers du cœur de la meule. Les meilleurs. Ils veulent des jeux difficiles. Il n'y a pas de choix de mode de difficulté, parce que... Vous comprenez, ça se mérite, un jeu vidéo. Si t'es nul, après c'est que de ta faute, quoi.
contre, on peut pas, y a pas de bonus de vie dans le jeu. In-game. C'est que quand on se fait shooter qu'on peut reprendre. Refaire de la vie, quoi. Encore mis pause, je sais pas ce que ça fait. Est-ce qu'on pourrait. Armure 0.33, d'accord, c'est fait. Ah, mais pause, il est aussi sur 3, du coup, c'est la même chose. Et select. C'est rien. On va surtout pas s'amuser non plus. Bah, c'est ça, en fait. Je n'y ai joué qu'en émulateur, mais je le trouve pas évident. D'accord. Enfin, c'est que je le trouve trop facile pour l'instant. De toute façon, dans le pire des cas, vous savez, on se mettra en facile et puis on finira le jeu. Le but, c'est de vous montrer un maximum de contenu. La musique du premier niveau est cool, en tout cas. On va skipper la vidéo, par contre. Histoire d'avancer. Tu es un peu plus grand qu'avant. Mais tu ne fais toujours pas le poids. Le petit poids. D'accord, j'ai bousillé son bouclier et maintenant je lui fais du dégât. C'est l'Uru. C'est celui de l'Uru. Pas qu'il l'Uruse. Amène le professeur sur l'île. Il n'y reste plus personne à la base du mont Fuji. Pêchons-nous. Waouh. Oh, ce jingle! Le meilleur. Alors, comment ça marche la flèche là? Je comprends pas. J'ai un tir secondaire, je pense, maintenant. Alors, attends, parce que je suis niveau 2, power 11. Armure 57 au lieu de 50. Ou de 30. Amo 91. Next level experience. Ah, c'est vraiment des éléments RPG, quoi. Waouh. Ça, c'est l'île du mont Fuji, du coup. C'est ta faute! Si tu n'y étais pas allé, il n'y aurait pas eu tous ces problèmes. Sakura. Kangoo revient enfin! Tu fous tout en l'air! Attention! Un ennemi approche par la mer! Il faut envoyer Zero Aiga! Il faut que tu apprennes à piloter Zero Aiga! Il faut que tu utilises son vrai pouvoir, Go! S'il te plaît! Fais attention! T'inquiète. T'inquiète, poulette. Du coup, le tir secondaire, il serait sur quoi? Sur 1 ou 2? Ah, la résolution a changé. Un démon dans l'océan... Ah, c'est la première zone, d'accord. Donc là, c'est le vrai jeu qui commence. C'est le premier niveau pour de vrai. Donc peut-être que j'aurais dû me mettre en facile. Un ennemi est dans la brèche. Musique. C'est quand, au fait, d'Alenial, Armful Park? T'as toujours pas reçu? Tu l'as reçu, mais tu veux pas encore le faire. Oui! J'ai un tir secondaire. Effectivement. Tu as raison. Tu as raison, Desmon. C'est Desmon, au moins? Ah non, c'était Chris. Tu as raison, Chris. Donc j'ai le Wind Cannon, le Charge Guard, le Backburner, j'ai tout ça. Oh, incroyable. Je pense que ça va changer. J'étais en fin de mesure pour la musique. La musique est cool. Même pas. Ton talent de doublage m'émeut. T'es même pas à fond. Le Backburner, ça donne quoi? Oui, d'accord. Ah, c'est pour tirer derrière. Battu de justesse. C'est joli, hein, cet effet de... Oh, pourquoi c'est pas fini, le jeu. Oh,
Bon, après, j'ai l'autofire, hein. C'est peut-être un peu de la triche. Enfin, ça fait partie de la console, donc c'est un peu compliqué de dire que c'est de la triche. Oh là là, je me fais dégommer. On peut pas utiliser de la vie. Non. Après, moi, je m'éclate, hein. Même si je meurs, je suis très content parce que je le trouve vraiment bien. Finalement, la PC FX, elle a des jeux phares, quoi. Genre, même... le jeu qu'on a fait la dernière fois, là. Ouh là là, le boss qui arrive maintenant. Zenki. Quand j'en aurai fini avec toi, j'irai dormir avec les poissons. sont chouettes les interludes et il y a apparemment des moments bien nerveux dans le jeu. Et là, c'est cool. Ouais. C'est dégommé par contre. Est-ce que je peux me réparer? Ça me bosse. Ouais. Level up. Ah d'accord, mais on monte quand même en niveau, même en mourant. Ok, d'accord. Mort. Par contre, on a les vies infinies. Je suis quasiment obligé de passer là, du coup, c'est un RPG dans le sens où tu grindes quand même, quoi. La manette, elle est... plus de la manette trop court, c'est... pas japonais comme problème. Eight way. J'ai un problème de compréhension du jeu. J'ai un 8 way et il va toujours tout droit. Ah non, d'accord, ok. C'est la dernière... oh putain. C'est complexe. Ok, d'accord. La dernière direction imprimée sur le pad. Pas très pratique. Je vais remourir. Pas fait gaffe. Je m'en excuse. Du coup, 8 way ça va être... oh, flame shot. Oh, oh, oh. Pourquoi j'ai pris toute ma vie, là? Oh là là, le flame shot, il est tellement efficace. Ah, mais il tue les projectiles, en plus. J'ai l'impression. Ah, mais c'était la barre de vie de mon flame shot, ça. Ah non, en fait, ça m'a redonné une barre de vie de changer d'arme. Ah d'accord, il a derp. Il est parti. Il s'est dit, oh, putain, il met trop de temps à me battre, j'en ai marre, je me casse. Et là, je vais encore monter au niveau. Il va partir seulement la semaine prochaine. Attendez de compléter le colis, d'accord. Il y a pendant des moments bien nerveux, d'accord. Et j'ai encore des trucs de tir, là. C'est parce qu'il t'a mis ta honte, il a préféré partir. Ouais, c'est ça. Il m'a regardé d'un air noir, d'un coin de l'œil comme ça, et puis il a fait... le casse. Bâtard. Un peu bâtard. Iron Fist. Nul. Flame Fist. C'est marrant. Charge Guard, Back Burner. Alors, je pense qu'on va revenir à ça. Hein. On joue à la façon peintre, hein. On repeint l'écran de balles. Et ma foi, il n'ira pas repasser. Ah, mais j'ai pas les projectiles infinis. J'avais pas vu. Bon, on va se calmer. Ah! Ça, c'est bon, ça! Là, ça tire en grosse quantité, là. J'ai quand même perdu la moitié de ma vie. Hein. Je vous ferai remarquer. Donc le boss suivant là. Je crois que j'assure. Je crois que j'assure en chaussures. Oh putain! Ils m'ont fait perdre! Je peux arriver au boss d'après? Je peux arriver au boss d'après encore. Ouais, parce que je meurs tout le temps.
J'avais pas saisi tous les éléments du gameplay, les armes, et je me faisais déboîter. Bah, moi je me fais déboîter, mais je saisis les éléments de gameplay. C'est cool, non? C'est terrible. Niveau 5, non? On n'avait pas dit niveau 5? Pas ouais. Niveau 4. Ok, je pense qu'on monte plus trop en niveau d'avant. J'aurais dû me mettre en facile en bas. Pas grave, on va recommencer. Pourquoi les flèches en haut? Est-ce que c'est pas des continues? Les flèches en haut à droite là? Ça m'inquiète un peu. Ah, ce que je viens de ramasser, c'était la recharge d'attaque spéciale. Le bleu. Si j'avais la notice du jeu gravé, déjà ça m'aiderait. On appelle du dégomming. Dans le langage technique, ça s'appelle comme ça, hein, je crois. C'est la technique du dégomming. Donc tu prends un ennemi, tu le dégommes. Oh là là, je me fais défoncer. Par contre... D'accord, il y a un peu trop de boulettes. Hein. Ça devient difficile, là. Les deux flèches, ça n'a pas un rapport avec l'autofire? Ah, peut-être! Tu crois que ça détecte l'autofire et que ça me dit que c'est activé? Au cas où je le voudrais pas, il me dit hey, « Eh, au fait, t'as l'autofire actif ?» Moi, je le veux, hein, donc ça va. Niveau 5... Ah, j'ai encore des nouveaux tirs. Ils ont l'air incroyables. On va regarder. Oui, replace-moi l'armure. En fait, on est obligé de finir le jeu à un moment, non? Non, ça n'a pas de rapport. Attends. Non, ça va de rapport. On essaie les autres tirs. Allez, hop. 8-way, non, ça j'ai déjà fait. Flame shot, c'est nul. Diffusion bombe. Ah oui, d'accord. Ça, j'en ai que deux. Stylé. J'en ai que deux. Mais stylé. Biffy. Faut que je demande à Florent Gorge si je peux le... Si je peux prendre un café avec. C'est rigolo. Faire une petite interview, là. Une interview de Florent Gorge, ça, c'est stylé. Oh, la puissance du bordel. La technique du lead... Du live... Kive. Du let kive. Je sais ce que c'est. Le flèche, c'est pas un rapport avec l'autofire, du coup. Charge guard, backburner, mini-bombe. J'ai l'impression que changer d'arme, ça me remet toute ma vie. J'ai l'impression que ça change tout le système du jeu. C'est bizarre qu'on puisse changer en cours de jeu. Parce que... J'ai raté le bonus. Ah, c'est la merde. Qu'est-ce que ça? Je perds des bonus avant de perdre la vie. Ah mais vous me mettez 50 000 ennemis là où il y a le bonus les gars. Vous vous rendez compte ou pas? Mais quoi si je fais ça? D'accord, ça me remet de la vie. Je comprends pas comment ça fonctionne. Ça n'a pas vraiment de sens. Ah mais... Vraiment. Ils font vraiment en sorte que je crève. Le boss, allez, le boss. Dégage. Ça va être chaud, hein. Ça me remet ma vie quand je change. Je comprends pas. Pourquoi
ça me remet ma vie à chaque fois. Ah, l'esquive. Ah, c'est chaud. Ah, mais si je suis déjà arrivé à lui. Ah, et là, elle m'explique que j'ai plusieurs habiletés. Hein. Wouah! Colère. Ah non. Difficultando, hein, El Juego, hein. Voilà. Ça va, il a des patterns à la con. Oh. Moi, il n'y a que ses bras qui sont... Ah oui, j'ai raté le bonus. Ok, d'accord. C'est comme ça qu'on fait, alors. C'est comme ça qu'on rate un... D'accord. Mm. Comme ça qu'on rate des phases d'un boss. Ah non, je suis mort. Putain. Il commence à perdre de la vie. C'est triste. Juste faire un jeu de mots pourri. Oh, c'est drôle, en fait. J'ai pas peur, j'accepte ma... L'esquive. Et c'est marrant, en fait. Si ça marche, c'est marrant. Alors, il faut que ça marche, quoi. Toujours le même problème, hein. C'est vrai que Edouard est trop découverte, il faudra prendre un café avec moi. Imaginez. Là, je suis pas sûr qu'on aura grand chose à se dire parce que. On pourra pas parler de jeux vidéo quoi. That would be funny if it wasn't. En face. J'aurais pas dû faire ça. Oui, j'ai pas assez pour lancer une deuxième. Ok. Oh, je vais crever. Hein? Faites gaffe parce que j'ai l'intégralité de l'historique quand même. Je suis en train de rechercher l'intégralité du début du stream. Ça va, je fais pas des streams très gros, donc je vois exactement qui a parlé dans le chat et il n'y a absolument pas Edouard Retro Découvre. Ou alors vous parlez de quelqu'un d'autre. À l'époque, je me disais déjà ça. Genre, il prenait des photos. Ah oui, dans les magazines. Après, le vrai problème, c'est que s'il était vraiment dans les
S'il était vraiment dans les viewers, il voudrait pas faire découvrir ça à ses viewers en fait. C'est d'autant plus désolant et c'est ce qui fait que ma déception est encore plus grande. C'est qu'en fait, il a dit, personne regarderait une rétro-découverte sur un truc aussi obscur. À partir de là, j'ai dit, ok. Et bah tant pis. Et je trouvais ça dommage. Mais encore une fois, chacun fait ce qu'il veut de son côté. Encore heureux. Encore heureux que le rétro est pluriel. D'ailleurs, c'est grâce au fait que le rétro est pluriel qu'on peut enfin montrer des consoles que personne ne connaît. Et bah, il y a des gens qui aiment être challengés sur leurs connaissances. Ça arrive. Comme quoi. Et moi j'aime bien les gens qui connaissent pas une machine et qui veulent la découvrir, tu vois. Je préfère ça que des gens qui connaissent par cœur Mario 3 et qui vont aller voir un streamer pour lui expliquer toutes les 3 secondes, là il y a un passage secret, là il y a ci, là il y a ça. Je trouve que pas moins. Ah, ce qui m'a fait perdre comme vie. Encore une fois, j'ai rien contre lui. Au moins, je suis là pour ça, ouais. C'est gentil. On dit dans ce chat, il y a 5 minutes, dans Stalker est le meilleur jeu de tous les temps. Wonderful goût! Super goût! Tu as dépassé tout le pouvoir que tu avais au début. Ah, j'arrive pas à y croire, moi non plus. Je pensais que tu plaisantais. Qui était un spectateur, je suis pas un mytho. Ah, mais y a pas de souci, je te crois qu'il était un spectateur, mais je pense que c'est pour sa culture personnelle. Et c'est sûrement pas pour faire un rétro-découverte sur la PCFX. Hein. Parce que même dans un cadre de fiction, ça aurait pas de sens. Vu que personne ne l'a eu à l'époque, cette console. Wouah! Tête de ma mère, bordel. Tête de ma mère. Wouah. Que d'émotion. D'ailleurs, j'ai bien fait de le faire normal, puisqu'on meurt pas vraiment, quoi. J'ai entendu. Et vous avez grandi avec Gou, comme frères et sœurs. Gou. C'est mon frère. Il va partir voler vers du combat. Nous sommes des ennemis, maintenant. Comment ça, des ennemis? Zone 2. Break through the sky. Traverse le ciel. Passé sur Twitter, sur Twitterx, Twitterx. Kofi qui like un de mes tweets, le tweet de l'argent bien investi. Sur Durs. Ah oui, d'ailleurs, il y a un truc avec Twitch chat. Ah, les musiques. À chaque fois, les mélodies commencent trop bien. Et elles sont trop bien en fait. On revient à un niveau un peu plus cool. On perd de la vie, on perd de la force de frappe. J'ai du mal à comprendre ce qui se passe exactement dans le jeu, j'avoue. Flame shot. Flame shot. Est-ce que je peux avoir ma tornade? Ça m'a permis de la vie. Hein. J'en profite pour dire mon admiration à Fab Davis. Après, moi je le trouve sympa. Non, mais il est sympa, j'ai pas dit qu'il était pas sympa. À aucun moment j'ai dit qu'il était pas sympa, Edouard. Il est super sympa, Edouard. Du coup, je comprends pas. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Je vais que dire des vérités, hein. C'est pas méchant. Mais on fait juste pas la même chose sur Internet, ça.
Il y a un moyen de récupérer de la vie? Pas du tout. Parce que moi je l'ai fait tout à l'heure, je sais pas comment. Il sent la mort. Oh Zob, j'avais presque tué. Hein. Ça sent la mort. Drake la mort. Drake la mort. Il donne envie de jouer en plus, c'est cool. Après en émulation, je sais pas à quel point elle est bien émulée cette machine. Ça se passe bien ou ça se passe mal? C'est curieux. Va tout droit. L'armée de l'Empire t'attend. Roger! Alors, sachez qu'en japonais, Roger se dit Yokai! Sachez-le. Donc, Roger, dans un matin, tu vas t'appeler Yokai. Dur. Roger est un yokai. Roger le yokai. Moi, j'essaye de travailler sur le fait que ma communauté reflète pas une image de petit troll qui se cache dans un coin. Et j'ai pas envie que ça transpire dans mes paroles, que je dise du mal des gens en fait. J'ai pas l'impression d'avoir dit du mal de Edward là. Si vous pensez que j'ai dit du mal, dites-le moi. Hein. Je vois pas ce que j'ai dit de mal. Je suis très curieux de savoir. On pourrait vraiment pas parler jeux vidéo. C'est pas méchant. Si, j'ai dit du mal de Fab de Riz. Enfin, j'ai dit du mal de lui parce que il répond par la haine quand on lui explique qu'il a tort. Et il a encore dit une énormité ce matin, tu vois. Dans une FAQ Recalbox, il a dit un truc encore. Juste, dis je sais pas, quoi. Quand tu sais pas, réponds pas, quoi. Dis pas ce que tu ne sais pas. Il a dit un truc vraiment... plus gros cul, quoi. Distance d'un stick pour PC fixe, non. Même pas un adaptateur. Ah non, mais ils ont pas eu le temps sur PC fixe. J'arrête de... Enfin, je peux pas lire le chat, tu vois. C'est dommage, mais... Et shoot, c'est un peu le problème. Alors c'est ça le Zero Iga. Oh non. Quelle énergie! C'est vrai que je vais avoir besoin d'une stratégie différente. Oula, oula! Qu'est-ce que c'était? Bah, c'est pas fini le niveau. Je vais crever. Thank you.
En même temps, Fab de Riche, je le comprends. Il faut bien qu'il réussisse ses objectifs en termes de vente. En termes de. Ouais, mais ce qui m'énerve, tu vois, c'est que. Il y a quelqu'un qui avait posé la question de c'est quoi la différence entre le. Quelle révision il faut que je choisisse dans les ROM arcade quand je lance Marical Box? Il a dit les révisions, bah en fait, plus c'est élevé et plus la précision du dump est bonne. Mais en fait, pas du tout. À aucun moment, c'est le cas, en fait. Ça veut rien dire ce que tu dis. Je sais même pas. Je sais même pas où il est allé chercher cette info, en fait. Rien n'est vrai dans ce qu'il dit. Mais il dit pas ça en mode je crois que, hein. Il dit c'est ça. Ça me rend dingue, juste, ça me rend fou, quoi. Ça me rend fou que les gens puissent dire de la merde, déjà, et qu'ils puissent dire de la merde, mais comme ça, tu vois, genre en mode affirmatif. Ça me rend dingue, juste ça me rend dingue. Et ça, sur une info aussi débile que ça, surtout, quoi. Une révision, ça porte plutôt bien son nom, en plus. Qui ça? Junk! Je peux à peine le regarder, tellement j'ai honte de lui. Là, tout ce que j'aime pas, je le tue! Mets tes deux pieds en canard. Et la chenille qui redémarre. Je dédramatise. Ouais. Ah, j'ai pris toutes les balles qu'il y avait. Pas fort ça. Comment je les évite hein. Deuxième transfo. Gloire à l'empereur Zemu! Comme Zémulation. C'est la fin du niveau pour de vrai? Je pense pas. Hein. L'empereur Zemu? Ah si, c'est la fin du niveau. D'accord. SM, après, il est juste le porte-parole. Hein. Il me demande d'être sympa, pas de maîtriser techniquement. Non. Bah, il est pas sympa non plus, du coup. Il a mis des commentaires sur des vidéos où je détruis objectivement l'émulation pour plein de raisons. Et ce qu'il a écrit, c'était pas professionnel. Après, encore une fois, hein, il peut ne pas maîtriser techniquement et avouer qu'il sait pas aussi. C'est ça le truc. Ce qui m'énerve, c'est qu'il dit Ah, ça, je sais, c'est ça. Bah non, en fait, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'elle fait? S'il vous plaît, faites que Gou soit en sécurité. Ah, mais pourquoi, en fait, cette scène? Nous allons quitter l'atmosphère dans 15 secondes. Accélération. Tous les systèmes sont au vert. 6, 5, 4, 3, 2. Oui, c'est pas l'endroit. Musique. C'est la planète Terre. Double dragon, feu et glace. Salut MO5! Lâche prise, tu perds ton temps avec le FAP 2. Le FAP 2. Le FAP ou le FAB? Il doit y en avoir des milliers. L'Empire devient sérieux, n'est-ce pas? Quoi qu'il arrive, je vais me battre. Gou, il y a un énorme vaisseau qui arrive derrière la Lune. Alors allons à la Lune. Ouais, des astéroïdes. Incroyable. No Fab Zone. Oming! Oming! Ça, c'est bon, ça. Ah oui! Oh là là, les petits missiles. Regardez les petits missiles! Oh là là, c'est trop mignon! Ah, c'est trop bien, ça. Je me fais déchirer, mais regardez les petits missiles télécommandés. On dirait des moustiques les nuits d'été. Ça commence à ramer, non? C'est moi? Le jeu commence à ramer, on dirait. Je vais surtout lâcher prise avec les gens que j'apprécie parce que j'ai l'impression d'envoyer une mauvaise image en faisant que. En parlant, donc, je vais arrêter de parler des gens. Ça se passe bien le live MSX du coup? Il a commencé non MO5? Comment ça va MO5? N'hésitez pas évidemment à aller suivre l'assaut MO5 sur Twitch ou même en devenant membre. Sympa ce jeu CDI. Aïe aïe aïe. Aïe aïe. Marrant parce que tu vois, j'étais arrivé en bon accueil, en gentillesse et tout, et toi t'arrives, boum, CDI.
C'est fou quand même cette envie de semer la zizanie, quoi. Ah non, je suis mort. Trop dur. T'as envie de s'acheter une PC fixe. Non, en vrai, il est bien. En vrai, c'est un très bon jeu. Surtout le système de niveau qui fait que t'es obligé d'avancer, quoi. Pour moi, c'est précieux. On dirait pas comme ça. Ah bah, il a pas marché, mon MO5, pardon. N'hésite pas à aller voir le Twitch de l'asso MO5 et le site de l'asso MO5. Il vous permet de devenir membre. Et notamment de les aider dans leurs différents projets, comme le Micral et comme plein de choses qu'ils ont fait là. Genre des... Je crois qu'il y a une exposition dans un musée du jouet, si je me trompe pas. Et puis, bah, tous les différents salons, bien sûr, que fait l'association. Alors que MO5, c'est aussi des gens qui reçoivent des influenceurs tels que le grand Haruno Taku. Je sais pas si vous le connaissez. Il grande Haruno Taku. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais en octobre, le drama Cabri Pokémon Saphir, un Pokémon Ruby du coup, Haruno Taku va se terminer, quoi. Bon, après, il continuera à en parler au passé et à dire que ça a eu lieu et qu'on peut pas faire table rase du passé et tout ça. Mais n'empêche, ce sera terminado. Les niveaux sont vraiment pas accueillants. Les niveaux sont très très méchants. Vous êtes très méchants. J'ai pas la grosse grenade. Super bon temps. Ça fait que dalle. Floating man. Ok, c'était pas ça. Putain, j'ai essayé de faire un bon. Et fais ça. Le vaisseau, je trouve qu'il se déplace un peu vite. C'est pas facile de doser dans le jeu. Je lui fais rien. Hein. Ah, il a abandonné alors qu'il avait presque plus de vie. Ça me rend fou. J'ai mis 150 mètres carrés sur leur flyer. 250 mètres carrés. Waouh. À Moirans. En montagne, l'expo Game Story 150 mètres carrés dédié aux micros et consoles. Instant promo, ah y'a pas de soucis. Le changement de sujet, c'est un don. Enfin, on parlait pas de trucs importants. Hein. Mini bombe, missile, hot iron blast. Il y a trop de sujets clivants dans le rétro, de toute façon. J'ai l'impression que c'est une forme d'élitisme... C'est un peu chiant, en fait. J'ai pas envie de me faire des ennemis à cause d'une sorte d'élitisme un peu mal placé, ou des trucs comme ça. Donc, ça m'embête. J'ai tendance à être embêté par ce genre de choses. J'ai presque envie de me recentrer sur l'essentiel, sur le jeu, et de plus trop parler des uns et des autres. Boss. Passons sur Paris. Alors David, il y a un outil révolutionnaire qui s'appelle Discord, dans lequel je t'ai ajouté dans une discussion. Ah bah s'il y a un barbuck première semaine d'octobre, on invite la terre entière, il n'y a pas de souci. Moi je suis chaud. Oh regardez, les sprites en rotation. Ah putain regardez, il y a une limite de sprites par ligne. Putain je pensais pas. J'ai vu, on a bien vu des sprites clignoter. J'ai pas rêvé. Attends, je prends un truc qui a de la vie. Floating mine, flame shot. Ah, ça me... Hey, y a une limite de sprites par ligne, vous avez vu? Ah, c'est choquant. C'est choquant qu'un jeu de 95 ait des limites de sprites par ligne, je trouve. Une console de 94 qui a ça, c'est chaud, hein, quand même. Ah ouais, waouh, 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 wa
Venez vous calmer. Oh là là, ça ramasse pas les bonus, je sais pas ce que je fais de mal. Est-ce que j'ai fait de mal? Trop de réseau. Passe quand sur Paris? Bah, où est-ce que tu veux que je... Ah bah, je peux te vendre par téléphone. C'est vrai que j'ai la ligne directe de David. C'est ça d'être influenceur rétro gaming. Écoute, on s'appelle? On s'appelle genre demain, un truc comme ça? Dès que j'ai ma Picno. Comme ça, je te dis, hé, j'ai ma Picno. Il y a FF6man qui m'a déjà donné rendez-vous. Ah. J'ai déjà insisté pour avoir un rendez-vous avec FF6man. Du coup, je vais avoir ma Famicom qui va être modée. Ça, c'est cool. Je file la roue. Je tombe de sommeil. Il est 22h30. Merci, c'est super, stream. Et check pour un café sur Paris. Cool. Écoute, on s'y est au courant d'Elenia. Bonne nuit, bonne soirée à toi et merci beaucoup d'être passé. À la prochaine. En expo le 7, mais t'es pas en expo toute une semaine. J'ai une semaine autour du 7. Par contre, faut que je sache quand j'arrive et quand je repars. C'est vous qui allez me le dire, parce que moi, quand vous êtes dispo pour faire un barbecue. Non, c'est non. J'ai fait 450 km en bagnole, putain. Gloire à l'Empire! J'ai fini le jeu. Inacceptable. Bisous, bye. Ah bah bravo, en tout cas, il y a de tout, même de la Jaguar, trop bien. La Jaguar, trop bien. La Jaguar, c'est trop bien. La Jaguar, c'est la vie. Madness on the Moon. Alors là, on est carrément sur la Lune. On va rire. On va voir un peu. Détecte des signaux impériaux. Bah, tu ne repars pas, c'est plus simple. Tu m'achètes un appartement à Paris? C'est gentil. Merci David. Tu m'achètes un forfait télétravail au travail? Faut éviter ça ou c'est juste du décor? J'ai peur. Oh merde, pourquoi j'utilise ça? Non, 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 Arnaud, tu sais pas jouer aux jeux vidéo. Mais en fait, il y a des malus, j'ai l'impression, dans les bonus. Ou je rêve. J'ai l'impression que je prends des bonus qui me font baisser mes tirs. Bon, quand je me fais tirer dessus, ça me fait baisser mes tirs. Ça, j'étais conscient, merci. Mais par contre, j'ai l'impression qu'il y a des malus qui me... Bonne soirée à tous. Bonne soirée, Chris. Merci d'être passé encore une fois. Dis pas un super canapé. Non, mais dites-moi quand est-ce que vous avez pas... Quand est-ce que vous avez de la dispo début octobre, et c'est bon. Ça réglera tout. Je peux pas passer tout le temps. Déjà. C'est vrai que Philippe, il sait recevoir. Je me souviendrai longtemps des brochures de kit de développement CDI qu'il avait chez lui. Je les ai dévorées. Et puis à HL, quoi. La discussion que j'ai eue avec HL chez lui, c'était hors du temps. C'était complètement déconnecté. C'était trop bien. C'était vraiment cool. Moi j'ai de la place aussi. Ouais, tout le monde a de la place. Je crois que même Kazer, mais il habite pas très très proche du centre. Pareil. Wouah, les tirs, ils sont incroyables. Fait dégommer. Et je comprends pas comment je reprends de la vie. Par moment, je reprends de la vie. Hein. Je comprends pas comment. Ah. On m'a remis de la vie. Forward spray. Bon. Évidemment. On va continuer. On va peut-être finir le jeu en normal finalement.
va être un peu long, mais bon. Ça va, on voit le jeu, quoi. Il est cool, là. Pour une console de 88. Tu exagères. En 91, elle a été montrée en premier. Pas si loin. C'est chaud 91 d'ailleurs, quand on y pense. Premier prototype montré en 91 pour sortir en 95, 94. Décembre 94. C'est compliqué. Est-ce que les deux flèches en haut, c'est pas le mode de difficulté? En train de me poser la question. C'est quand on meurt une fois qu'on a le qu'on a la la vie qui remonte quand on change d'arme. Je comprends pas du tout comment ça fonctionne. J'ai vraiment beaucoup de mal à comprendre. Ils sont invincibles ou quoi là ? Un canon niveau 1, c'est pour ça aussi. C'est bon là. David, il a quelque chose contre toutes les consoles que j'aime. Il le fait exprès. Merci pour le GG. C'était pas très dur. Et pourtant, je suis en normal, mais j'ai quand même l'impression d'utiliser des continues. Enfin, il y a des continues infinies dans le jeu. C'est assez bizarre. Peut-être parce que je me suis mis en mode animé, cela dit. Peut-être que si je me mets en mode genre battle. Il y a moyen que ce soit des règles de jeux vidéo, d'arcade, un peu plus chiantes, avec des crédits et des trucs comme ça. Là, je me suis mis en mode histoire, quoi. Du coup, je pense que le jeu veut que je lise l'histoire et que je regarde un peu ce qui se passe dans le jeu, quoi. Je pense que c'est plus un mode de jeu pour te mettre un peu le jeu dans les pattes, quoi. C'est vrai que j'ai pas essayé les autres modes. Je les essaye. C'est bien d'avoir ce genre de tir. Ça me plaît. Ah non! Ah, je suis immobilisé! Le bonus, je peux pas le prendre! Ah, c'est dégueulasse! Ça, c'est dégueulasse! Ça, c'est dégueulasse! Quand tu aimes le Mega CD, la Saturn, la Dreamcast, le CDI. Ah, ça, c'est le méchant bizarre, vert. Ah, caméléon! Téléporte, je sais pas. J'ai battu. Une partie de toi est respectable. Mais non. Je veux pas mourir! Niveau 10, il y a combien de niveaux? Et j'ai encore des nouveaux tirs. Ça va être rigolo. C'est
C'est fixe et finalement commercialisé à partir du 3 décembre 1994. Soit quelques semaines après la PlayStation de Sony, ouais. C'est celle dont on parlait. Bah, le pire timing, en plus, ils l'ont repoussé plusieurs fois. Et ils ont baratiné les gens, apparemment, sur les salons en montrant de la FMV en disant que c'était tout en réel. Après, je pense qu'on peut faire plein de jeux ouf en précalculé FMV. À l'époque, clairement, c'était quand même plus joli que de faire de la 3D moche, quoi. Je pense que les débuts de la 3D sur 32 bits, c'était quand même terrible. La 3D a été moche longtemps, d'ailleurs. En 64, et même Dreamcast, c'était pas ouf, la 3D. Il y avait que Shenmue, et encore, c'était un peu uncanny, quoi. Waouh ! Tout le niveau est basé sur lui ? Non. Moins de 400 000 exemplaires vendus, hein. C'est ce qu'on a dit au début. Et c'est bien de le rappeler. Ah, les musiques, quoi. Laisse tomber. Quand même joli, hein, comme shoot'em up. Il y a beaucoup de couleurs et tout. C'est quand même mieux que de la Mega Drive, quoi. Par exemple. C'est mieux que de la SNES aussi, je trouve, mais... Luna, arrête. J'ai pas besoin que vous battiez. J'arrive. J'arrive. Il a le même pattern que l'autre. Ah, presque. Il rajoute des petites boulettes. Les petites boulettes. Les petites boulettes de mammouth. Oulala, oulala, oulala. Ah, la violence du truc. Oh, ça clignote, hein. Ami épileptique. Fermez les yeux, hein. Ami de l'épilepsie, bonsoir. Je suis mort. Alors, tu sais que j'adore la Mega Drive, mais on est loin de Thunder Force quand même. Sur l'aspect graphique pur, je veux dire. Il y a plus de 64 couleurs. Genre, beaucoup plus. D'ailleurs, Player One qui disait des FMV en 16 millions de couleurs simultanées, je suis là. Non, non, c'est pas ça. Je comprends ce que tu essayes de dire, mais c'est pas la vérité. Ah, d'ailleurs, il y a une nouvelle récompense. Alors, pour ceux qui connaissent bien la chaîne, je sais pas si vous l'avez vu. Il y a une nouvelle récompense à 666 points de chaîne, bien sûr. Qui est pour les infos incroyables et que vous connaissiez pas. Alors vous êtes complètement halluciné par quelque chose. Ouais. Évidemment. Il me manquait ce genre d'émotion dans mes alertes, donc j'ai rajouté ça. Ceux qui veulent l'essayer. Il y a plus de 64 kilos de mémoire et le prix aussi avec une sortie 6 ans trop tard.
Il y a plus de 64 kilos de mémoire. Et le prix aussi. Avec une sortie 6 ans trop tard. Il y a plus de 64 kilos de mémoire dans la console, je veux dire. Je sais plus ce que c'est la fiche technique. Il y a 1,25 mégas de RAM vidéo et 2 mégas de mémoire. En tout. Pas ouf. Mais surtout, elle permet de faire des de l'affichage. C'est Pas grave. Ah ouais, mais je comprends pas ce que tu dis. On va essayer de le battre. Ikuzo! Je m'entends pour tout à l'heure. Pas mal ces petits effets de sprite qui... Hein? J'aime bien. Oh là là, le clignotement de ouf. Tu veux tester ton OBS? Vas-y. Amuse-toi. Toi aussi, tu veux tester les 60 FPS de ta carte? De capture? Eh bien, vas-y. Ah oui, il faut que je mette la fessée à David aussi sur Mister, maintenant qu'il y a le corps N64, on va pouvoir jouer à des vrais jeux. On va pouvoir jouer à Mario Kart. Ami épileptique, condoléances. Ami épileptique, voici une serviette pour ramasser votre bave. Parce que là, pour le coup, je pense que c'est déjà trop tard. Est-ce que tu as utilisé le corps Mister SPGA, David de Mister? On va pouvoir faire du Mario Kart et je vais pouvoir te mettre une déculottée en live devant tout le monde. Le jeu Mario Kart 64, évidemment, jeu où j'excelle, hein, bien sûr. Onegai ! Ah mais le jeu continue, c'est vrai. C'est vrai que le schéma du jeu vidéo est toujours le même. Oula, les ennemis viennent d'en bas. Oh là là, les ennemis viennent d'en bas, les gars. Oh, les gars. Oh, les gars, ils se massent. Oh, un peu, non. Oh, putain, faudra que j'aille à Sainte-Anne, d'ailleurs, quand j'irai à Paris. Faut toujours que j'aille à Sainte-Anne prendre des putains de ramen qui déchirent leur race. J'allais oublier. Faut que je prenne une powerbank, parce que mon iPhone ne tient plus la batterie. Et que j'ai envie de filmer des trucs, et surtout de faire des lives. Peut-être un live pas capybara, parce que... On avait vu la dernière fois que c'était un peu compliqué. Trouver des capybaras. Trouver un endroit où il y a des capybaras. Les zones de Vincennes, ils sont trop loin des caméras. Bon. Pas en travaux, toute ma collection est dans des cartons. Oh non! En plus, c'était super bien pour l'époque, quand on y pense. Pour l'époque, ouais, il y a eu malheureusement Raiden Project, qui était super beau quand même. Sur PlayStation. Raiden Project était vraiment beau. Hein. Je me souviens du lancement de la PlayStation. C'était un jeu sur lequel on s'était vraiment éclaté. Avec mon frère. Et il y avait quoi? Si, il y avait d'autres shooters qui étaient super classe. Hein. Mais ouais, il est beau. Enfin, pour, par rapport à ce qu'il y a dans la machine, je trouve ça classe. Après, ça rejoint exactement Zenki. Hein. C'est la même sensation que j'ai quand je joue à Zenki et que je joue à ce jeu. Quoi. C'est une console qui... Il fait de son mieux en 2D, qui fait de son mieux en FMV, et qui fait les choses pas trop mal. Hein. C'est juste un sentiment de jouer à une nouvelle machine, quoi.
ce que je vous expliquais en début de live, c'est un sentiment par machine quasiment quand on joue, et la Saturn et la PlayStation sont très proches parce que elles sont sorties quasi en même temps et que tout le monde les a eues, quoi. Donc on peut pas vraiment les découvrir aujourd'hui. Mais découvrir aujourd'hui la PSFX, c'est vraiment un sentiment pas unique, quoi. Comme la 3DO, comme la Playdia. La Playdia, c'est nul, hein. Vraiment. La Playdia, je mettrais quand même un bémol parce que c'est nul. Faut le dire. Faut dire ce qui est. Vraiment désolé, mais... Ok, attends, les shoots, je me tape. Ta collection est dans des cartons, mon pauvre David. Ça va être terrible. Mais même ton Mister FPGA, c'est étonnant quand même. Je pensais que tu t'amusais avec. Je sais pas que tu le mettrais dans des cartons. Je sais plus ce que j'ai fait de mon Mister FPGA pour mon déménagement. J'avais quand même fait en sorte de pouvoir le déballer très vite. Ça, hein. Je l'ai bien ken là. L'échange entre la Playdia et la PCFX. Ok, d'accord. T'as essayé de trigger. Très bien. Faites pas attention à ce qu'il dit. Faites pas attention à ce qu'il dit. Écoutez pas ce qu'il dit. Il dit n'importe quoi. Il dit des bêtises. Écoutez. Déjà, il y a une 8 bits et une 32 bits. Ah, je peux pas m'empêcher de répondre. Hein, c'est fou. Lulu. Cette console pour le moment est une Switch. Aïe 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 aïe. Y'a pas la collection Taito film interactif LD machin archive là qui devait sortir? Je sais pas quand est-ce qu'elle sort exactement. Elle devait sortir en septembre, il me semble. Elle me faisait bien envie. Pas pour y jouer, hein. Je trouvais ça rigolo. Au final, on y a joué sur quoi d'ailleurs? On y joue sur PlayStation. Hein. Il avait ressorti sur PlayStation déjà ce jeu-là. Ça tout à l'heure? What? Ah, mais y a pas de boss et pouf, y en a un. F-080. C'est arrivé jusqu'à moi, les autres ont été inutiles. Vous allez voir, je n'ai rien à voir avec mes sbires. Vous allez souffrir. Oh là là, ah, ça rame là. Hein. Ah là, on sent qu'il y a un petit manque de puissance, hein, qui se fait sentir. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Il manque un petit peu là. Ah, il manque de la fréquence. Hein. Ah oui 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 oui. Hein. Aïe 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 aïe. Aïe aïe, on se croirait sur Bangayo tellement ça rame. Oh là là. On se croirait sur Super NES en fait. Aïe aïe. On est pas loin du bullet L. En vrai, c'est des zones assez limitées où il y a beaucoup beaucoup de boulettes, mais là je pense que le fait que les boulettes clignotent, ça faisait ramer. Ah, merci pour le GG. J'ai battu. Oh, ça ramait tellement. C'était désagréable. Merci pour les GG, merci beaucoup. Je veux ce thème. Je veux le thème en entier de cette musique.
toujours pas fini, il y a encore un niveau après ça. Ça n'arrête jamais. Ce skill inexistant. Oh putain, d'accord, il y a encore un ennemi. C'est fou ça. Hein, comme les jeux vidéo, ils arrivent pas à conclure. Otto-san! Ultrast Power. Ah, l'empereur Zeku, il est insupportable. Voilà. Ouah. Mais il a un réacteur d'avion. J'ai pas compris. Pas sûr d'avoir bien compris. Blazing Space. Ça sent le dernier. Ça sent la zone finale quand même. Wouah! Amis épileptiques, on vous rappelle, hein, bien sûr. Ce jeu n'est pas pour vous. Les musiques sont toujours cool, ça va. Ah oui, le fond, il est... Il nécessite des lunettes de soudeur, je pense, à peu près. Allez, c'est bon! Zero Aiga! Encore toi? Dégage de là! J'ai bien peur que non. J'ai bien peur que non, ma petite fille! What the fuck? Qu'est-ce qui lui arrive? Ce n'est même pas ma forme finale! C'est bien ce vaisseau parce que, en fait, il a une bonne surface pour se prendre des tirs quand même. Moi aussi, j'ai une bonne surface pour me prendre des tirs. Ah oui, d'accord, donc. Ok. Je vais me comprendre un truc. J'avais pas compris. C'est quand on prenait des acides avec les potes. Ah, moi non! Moi, ça, j'ai jamais pris d'acide. J'ai une fois du LSD par accident. C'est pas les cons, hein. Prenez pas des acides. Les acides, c'est mal. En plus, ça sert à rien, regardez. Vous avez des jeux vidéo qui vous, faites des... qui vous font des acides, déjà. Ikuya! Des ennemis qui ressemblent beaucoup trop à des bonus, d'ailleurs. J'avais pas trop remarqué jusqu'ici, mais... Clairement, les bonus et les monstres se ressemblent. Et avant ou après Super R-Type, ce jeu? Ce jeu c'est 80... Putain, j'ai pas regardé le jeu précisément. Oh ouais, mais... Ce jeu c'est 98. C'est la fin de la console. La console commençait à crever. Le 20 février 98, sorti. Ah puis alors, c'est vraiment le dernier jeu en fait. Parce que il me semblait que c'était février 98 même, la fin de la console. Peut-être un des tout derniers jeux. C'est pour ça qu'il coûte 300 balles aujourd'hui en occasion sur le marché japonais. D'ailleurs. Pas vraiment une question. Ah mais Super R-Type, c'est terrible. Ouais. Moi je déteste. Je préfère ce shooter-là que les Super R-Type. Hein. Après, chacun ses sales goûts, hein, comme dirait l'autre. Hein. Et petites explosions quand même. Là, c'est exactement. Je ne comprends pas! Je
petit schtroumpf. Qu'est-ce qui se passe? Je l'ai tué? Déjà bon? Le combat est terminé. Maintenant, bouge. Merci pour le GG. Je viens de trouver l'intégralité de la bande-son du jeu. Trop bien, ça. Il va y avoir de sacrés trucs. Hein. Je sais pas si là, j'ai fait l'intégralité du jeu, déjà. Je me demande s'il y a des niveaux en plus, si on joue en normal, en hard. Je m'étonnerais pas. C'est tout à fait le genre de jeu qui s'y prête. Même si moi, je déteste ça. Oh là là, il y a trop de trucs à l'écran. C'est très très dur de jouer. Et je pense que la console commence à avoir vraiment du mal. La boulette. Et niveau 1 au niveau du tir là. C'est pour ça que j'arrive à tuer personne. En fait. C'est très complexe parce que je comprends pas trop comment c'est possible que j'ai un niveau de tir aussi bas dans un niveau aussi compliqué. Est-ce que le jeu est un vrai bâtard? J'ai vraiment l'impression d'exploiter le jeu, surtout de reprendre toute ma vie en changeant de tir, c'est très bizarre. Je sais pas à quel point c'est normal ça. Je commence à me demander si les mecs ont pas mis ça, les mecs de la traduction ont pas rajouté ça. Je vois pas comment c'est possible un truc pareil. Ça rend le jeu beaucoup plus facile, quoi. En gros, je vous explique que c'est compliqué. En gros, en mode normal, là, je joue le premier niveau que je joue, j'ai une barre de vie qui est fixe, une seule. Et pour toujours. Tout le niveau, j'ai la même. Sauf que quand je meurs, une fois, la deuxième fois que je fais le niveau, quand je fais pause pour changer d'arme, à chaque fois que je change d'arme, je reprends toute ma vie. Je sais pas si c'est normal. Ça me paraît bizarre. En CD ou MP3, tu veux dire? Waouh! Tu es l'empereur Zemul! Je dois te remercier. Tu as ramené mon système d'armes juste. C'est pas ton arme! Je t'offre cela. Pourquoi ne veux-tu pas devenir mon second? Mon pouvoir est trop bon pour être gâché. Jamais! Prends ça! Jamais, Maybelline. Il y a l'autre. Waouh, boule de feu. Ok, chaque bouboule a son petit pouvoir. On peut détruire les bouboules, je pense. On peut pas encore détruire le boss. On peut tirer sur les bouboules et ça fait perdre de la vie au boss. Cool. Et je me fais défoncer. Parce que je joue pas très bien ça. Je me concentre un peu. Que des boules, vous croyez, le boss? Ou à la fin, il va avoir une deuxième transfo, il va falloir vraiment le tuer. Parce que là, je tire pas sur lui, on est d'accord. Je tire sur ses bouboules. Ah, ça y est, des bouboules qui meurent. Ah oui. Oh, les bouboules qui meurent. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon, ça, les bouboules qui meurent, ça. En plus, là, j'ai un bon niveau d'arme. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne me battras jamais comme ça. Oh non, il s'est enfermé. Il est immortel. Son poil. La console est toujours en vie fin 98? Non. Non, non. Avril 98, c'est sa mort. Je pense que c'est le dernier jeu sorti dessus, ça.
pas l'impression que je fais des dégâts. Merde. Ah, éviter ces couches. J'arrive pas à comprendre comment ça s'est vite même. Pas besoin de changer d'arme en fait. Tu fais pause, repose, tu regagnes toute ta vie. Je comprends pas le programme de ce truc là. Non, la console est morte avril 98. C'est bizarre d'ailleurs, parce que c'est la sortie du jeu. Février. Février? Attends, comment est-ce possible? What? Ah oui, d'accord, il a deux transfos. J'ai failli mourir en regardant. Ouais, ça aurait été bien qu'il distribue aussi un petit peu d'upgrade d'armes, parce que là je peux plus lui tirer dessus en mode vraiment lui tirer dessus. What the fuck, c'est quoi qu'il envoie là? Un trou noir. Par contre là je sais pas où il faut tirer pour lui faire du dégât. Hein. Désolé, assez. Non. Pas de dégâts. Je lui fais zéro dégâts. Oui, d'accord, mais il faut lui coller. Il faut se coller à lui, mais c'est pas possible. Il faut viser pile poil son trou, son milieu. Mais je lui fais rien perdre du tout. Ça va être excessivement long. C'est forcément un truc mal. Déjà parce que c'est moi qui joue. Ah, déjà. Là, je lui fais zéro dégâts, je comprends pas. Ça compte comme un niveau, est-ce qu'il faut que je recommence tout? Il faut que je recommence tout, je pense que je vais vous laisser là. Parce que je suis crevé, il faut que j'aille me coucher. J'ai fait piscine aujourd'hui. Je suis décédé. En juillet 98, on profitait déjà des Radiantes. C'est une petite console longue. Ah, c'était 98? Ah, Radiante! La Radiante, il est pas bien. Hein. J'aime pas Radiant Silver Gun. Je comprends pas ce qu'il y a autour de Radiant Silver Gun. Avoir 7 armes différentes. Déjà là il y en a beaucoup plus, mais au moins ils te forcent pas à les utiliser. Je vais vous laisser là. Malheureusement. Je vais laisser la musique du jeu en fond. Et malheureusement, je suis ce qu'on appelle décédé. Mais je vais trouver un raid. Du coup, AssoMO5, on parle sur Discord, si tu veux bien. Et moi je vais vous envoyer chez qui? Bah sans doute chez MO5 en fait. Belle nuit à tous. Merci au Philippos. J'espère que tu trouveras ce jeu un jour. Et attends, You Can Still Fight, ça fait quoi? Non. C'est un écran de Game Over. Au revoir, monsieur. Au revoir, Erax. Faut qu'on trouve le moment où on fera le fameux stream de Stalker, d'ailleurs.
Bon bah bonne nuit. Bonne nuit, Bubbles Bobbles. Ah non, je sais pas comment c'est fini. On saura jamais. On saura jamais. Je pense que sur internet, des gens ont joué au jeu. 22 personnes qui sont chez MO5. Bah écoute, on va nous ajouter. N'hésitez pas à follow MO5, bien sûr. Moi, pendant ce temps-là, je tiens à remercier tout le monde pour la présence amenée. Et c'est tout. Il n'y a pas eu d'événement à ce stream précédemment. Et spam le lien vers la chaîne. On peut spammer 10 fois le lien vers Asso MO5. Enfin, c'est ouf. Faire à ça donc. Et résumé du stream, du coup, on peut voir tout ce qui s'est passé dans ce stream. Il y a Asso MO5 qui a parlé. Il y a Bubbles Bubbles qui a parlé. Il y a Nico qui a parlé. Ah d'accord, je peux voir le top des gens qui ont parlé. C'est marrant. Nissan qui a juste dit bonjour. Il est parti. C'est rigolo. Et c'est pas mal hein, les nouveaux trucs de Twitch chat. N'hésitez pas à aller voir Twitch chat hein, bien sûr si vous voulez un truc stylé. Et moi je vous dis sans doute à la semaine prochaine pour la Picno 2. J'aurais reçu, je vous envoie chez MO5 qui fait le projet MSX, bien sûr. N'hésitez pas à aller les follow et aller leur donner un maximum de love. Ciao à tous, bonne semaine et bonne nuit, bonne soirée. Ciao. 皇帝陛下も許してくださる。目を覚まして兄さん。ゼムのやっていることをよく見てお願い。